Il a dit qu'il est venu libérer les Gabonais. Et quand j'arrive en France, Oligui qui fait le coup d'État, il vient libérer les gens. Il fout n'importe quoi, il fout la merde. On n'a pas le droit de se lever pour dire que ce n'est pas normal ce que vous faites. Quand on parle, c'est la répression. Heureusement que je suis en France avec mes enfants. Je n'imagine même pas un seul instant si j'avais laissé mon enfant au Gabon. Mais c'est dans quel pays? Vous parlez de démocratie? Vous voulez qu'on aille voter quoi au référendum en réalité? Vous voulez qu'on vote, on discute de quelle élection avec vous en fait? Jusqu'à vous prenez des gens pour nous harceler sur les réseaux sociaux. Mais c'est parce que moi je dis que Dieu m'a préparé à faire ça. Parce que toute ma vie, depuis que j'ai 12 ans, j'ai fait le sport. Et j'ai la mentalité d'une vraie sportive. C'est ce qui me permet de tenir face à toutes les humiliations, toutes les cabales que vous faites contre moi, une petite fille comme moi. Hein? Et parce que je suis du bon côté de l'histoire que aujourd'hui là, Dieu a fait notre palabre. On spéculait. On ne savait pas que, effectivement, il y avait des mains noires derrière qui étaient en train de tirer les ficelles pour nous acculer sur les réseaux sociaux. Il a fallu que Carleys sorte pour dire que voilà ce qui s'est fait en inbox. C'est hier que l'histoire là est rattachée. Ça part de Maeva, ça arrive sur Danger, ça transite sur Chico. Que j'ai dit que ah bon. Donc la maman là, depuis qu'elle a menacé qu'elle allait tuer mon père, s'il arrive quelque chose à mon père, voilà pourquoi je ne voulais pas parler ici, là on n'est que 370. J'avais envie de parler de ça, là où on était à 1000 et quelques personnes là-bas. S'il arrive un problème à mon père, ils ont commencé à m'avenir sur les réseaux sociaux. Hein. Si vous remarquez bien, les petits doukis là, ils sont même venus faire les lives pour dire que non, princesse, le père des princesses l'a renié. Tout ça, c'est une machination parce qu'ils savent pertinemment ce qui se passe dans les inbox. Oh non, son père l'a renié. Ce n'est même pas l'enfant de son père. J'ai dit à Chico que tu vas demander pardon à mon père. Si tu ne demandes pas pardon à mon père, maman, tu t'es mis en erreur. Je vais t'exposer. Moi, je suis resté pour moi calme dans mon coin. Bah de quand je t'ai appelé pour te parler de ça. Même Dana, avec qui je fais des lives tous les jours, je n'ai jamais fait écouter à Dana un morceau de l'audio que je suis en train de faire passer là. J'ai dit que je prends ça, je mets ça à terre. Parce que quand l'aveugle te dit qu'il va te lancer le caillou, sache que son pied est déjà sur le caillou en question. J'ai pris ça, j'ai mis ça sous mon pied. Comme vous avez pris le Gabon pour faire ce que vous voulez faire, pour oppresser les gens, pour réduire les gens au silence, jusqu'à Doukis, qu'il est venu faire 2 mois à Bordeaux pour me pourchasser. Vous savez dans quel état je ne sais pas, de stress. Je sors de chez moi le matin pour amener mes enfants à l'école. Je suis obligé de regarder à gauche, à droite. Pourquoi? Parce que je n'ai pas les histoires de mon pays. Mais Oligui n'est pas le premier président qu'on critique. Badokon est là. Stéphane Nzengue est là. Amiens Washington est là. Même Parfait Eyi, qui vous a insulté jusque dans les caleçons, ils sont là. Ils ont critiqué Ali Bongo, non? Ils ont insulté Ali Bongo. Mais toi, tu es qui? Tu es comme les fans de Bonoza. Wona, comme on dit chez nous en Teke. Tu es qui qu'on ne peut pas te critiquer en fait? Si on t'a critiqué, tu vas trop mourir. Ou bien, tu ne seras plus général de brigade parce qu'on t'a critiqué. Si on dit que le projet de constitution là est nul à chier, tu n'es plus président de la transition parce qu'on a dit ça. Donc toi, tu veux nous réduire au silence parce que quand toi, tu es né, ton père et ta mère t'avaient dit que quand Omar Bongo, le propriétaire du Gabon, quand il va mourir, c'est toi l'héritier du Gabon et que les Gabonais sont tes sujets sur qui tu dois marcher. Voilà pourquoi vous faites des cabales pour nous réduire au silence. Si vous aviez la possibilité, vous nous auriez déjà tués. Surtout moi. Vous m'auriez déjà tué. Et vous n'êtes pas des gens sérieux. Vous devez dégager.
On n'a rien à négocier avec vous, que ce soit au référendum ou bien quoi que ce soit. On n'a rien à négocier avec vous parce que vous êtes des terroristes. Vous êtes des antidémocrates. Vous ne connaissez pas la démocratie. Vous ne connaissez pas la liberté d'expression. Oligui, tu fais de la manipulation quand tu viens dire aux gens que critiquez-moi sans m'insulter. Vous avez fomenté, vous m'avez donné une image d'impoli. Quand je parle là, je ne t'insulte pas. Je parle avec un ton fort, oui, il est haut mon ton, mais je ne t'insulte pas. Parce que vous voulez réduire les gens au silence, vous employez les termes de manipulation. Comme vous êtes venu nous dire le 30 août, non, on a sacrifié nos vies pour vous. Vous employez des termes forts pour toucher la sensibilité des gens. Pour toucher la sensibilité des Élungués qui se mettent sur les réseaux sans aucune raison pour des gens qui sont en train de dire que ce n'est pas normal qu'au 21e siècle, dans un pays pétrolier, un pays extrêmement riche, ce n'est pas normal que des femmes continuent d'accoucher à même le sol. Quand on dit ça, on insulte qui en fait? Quand on dit que, au lieu de payer 15 milliards à Agréco, vous préférez prendre 13 milliards pour aller donner à Pékin parce que vous voulez aller en visite touristique et que cette visite touristique-là ne bénéficie, le Gabon ne bénéficie en rien de cette visite que vous êtes allé faire à Pékin-là. Quand on vous dit ça, où est l'insulte? Pourquoi vous voulez emmerder les gens? Pourquoi vous voulez pousser les gens à bout? Hein? Ou bien vous voulez nous rendre fous. Mais le temps a fini par nous donner raison. Le temps a fini par révéler la vraie nature d'Oligui. Tu n'es pas un homme fait pour la chefferie. Peut-être, tu dois peut-être être chef de village à Ngoni, peut-être ça, oui. Mais tu n'es pas un homme qui est fait pour être président du Gabon. Tu n'en as pas l'étoffe. Tu n'en as pas les capacités. Tu n'en as pas les compétences. Tu n'as rien d'un chef d'État. Et te le dire, ce n'est pas t'insulter. Pourquoi tu appelles le président, au lieu de dire président de la transition, tu dis Oligui. Moi, Oligui, c'est son nom. Quand Galibika parle d'Oligui à la télévision, elle ne dit pas monsieur le président. Même quand Bertrand Zibi, même quand il y a certains politiciens ici là qui font des interviews à la télévision, il y en a qui habillent le nom du président de la transition, il y en a qui prononcent son nom en disant par exemple Oligui Nguema. Pourquoi quand ça sort de la bouche des activistes, ça devient que oh, c'est le manque de respect? Vous voulez rendre les gens fous, quoi? Le Gabon n'est pas à vous seul. Le Gabon est ce que Dieu nous a donné comme héritage commun. Vous voulez, vous ne voulez pas, nous avons notre part là-dedans. Et vous allez nous donner notre part, de gré ou de force. Soit on va l'arracher, soit vous allez mourir pour nous laisser avec. Soit nous aussi, on va mourir. Et il y a d'autres derrière nous qui viendront faire ce que nous sommes en train de faire. Parce que vous avez acheté ce qui faisait ça avant moi, par exemple. Ils sont partis avec vous. Je parle de Stéphane Zeng, Damien Washington, de Parfait. Ils faisaient ce que nous on fait aujourd'hui, non? Ils ne sont plus là. Il y a une nouvelle génération qui est arrivée. Il y a d'autres aussi qui sont restés. C'est comme nous, on va partir. Il y en a d'autres qui viendront. Mais ce n'est pas ceux de la catégorie des Dukaga, des Pamignonda. C'est des nuls à chier, en fait. Je m'arrête là pour l'instant. Les inutiles de la République. Bravo. Donc, je disais, hein, Monsieur Oligui est venu diviser les Gabonais. Comme l'a si bien dit mon frère Giovanni, tu as dit, ce sont de qui? Inutile de la République ne sert à rien. Non, pas ça. J'ai dit que ce sont des extrémistes. Tu as dit non, ce sont des quoi? Bref, il y a des extrémistes. Il y a ceux-là qui sont venus encourager le tribalisme au Gabon. Donc, il y a les pro-Teke et les pro-Fan qui soutiennent Oligui parce que Oligui est Fan et Teke. Donc, les autres groupes ethnolinguistiques du Gabon ne sont pas des Gabonais. Ils doivent seulement rester derrière. Ça, c'est le travail de M. Brice Oligui Nguema. Oui, c'est des mercenaires parce qu'ils sont payés pour ce qu'ils font. Les extrémistes, eux, ils portent un idéal. Attention. Et le tribalisme au Gabon. C'est ce qu'il est venu faire. Et on ne va pas accepter ça. Vous voyez comment vous fomentez des histoires sur les réseaux sociaux concernant les activistes parce que vous voulez nous faire taire. On vous doit quelque chose. Est-ce qu'on vous doit quelque chose?
On parle des affaires de notre pays. On aimerait que le Gabon soit un état de droit. Raison pour laquelle on se lève. Nous sommes ici en Europe, d'autres aux États-Unis, en Amérique. Il y a l'eau, l'électricité, il y a la santé, il y a l'accès, l'accès à l'éducation, etc. On a tout ici. Donc, quand nous, on se bat pour qu'on puisse aussi jouer aussi les mêmes avantages que nous, vous nous dites que non, nous sommes des démons, nous ne sommes pas des patriotes. Hein? Quand les Gabonais sont allés déterrer la nourriture avariée en tout, c'est de notre faute. En 2024, pays pétrolier, avec 1 500 000 habitants, on va encore déterrer la nourriture avariée que les sociétés de la place ont enterrée. Tout ça là, pourquoi? À cause de la misère. On nous crie au effort ici que oh, le Gabon a été libéré. Libéré de qui et de quoi? Donc vous ne regardez pas que le Gabon est toujours dans les affres de la malédiction où un groupuscule de personnes passe leur temps à piller, à voler l'argent du Gabon, à être aux affaires, tandis que vos enfants souffrent, n'ont même pas un poste budgétaire quelque part. 40% de chômage, ça ne vous dit rien. Quand le Gabon a été libéré. Libéré de qui? Vous n'arrivez même pas à joindre les fins du mois. La cherté de la vie. M'acheter un pain, c'est compliqué. N'en parlant même pas du sucre, vous n'en avez pas. Vous avez été libéré de qui? Vous avez la justice. Qu'on a créé au effort ici que non. Il faut mettre en place la commission justice, réconciliation, vérité et réparation. Qu'est-ce que M. Oligui a dit? On n'est pas là pour ça, on est venu développer le Gabon. Donc on est venu développer le Gabon sous le sang de nos frères. On va banaliser nos frères qui sont tombés depuis les années 90 à maintenant, ou du moins au multiple, au parti unique. On va banaliser ça. Parce que M. Oligui veut nous vendre l'illusion en nous disant que non, on va développer le Gabon. On développe le Gabon avec quoi? Le béton. Avec les travaux qu'on voit de partout là qui ne finissent jamais pour encenser le peuple gabonais. Pour qu'on puisse voter en 2025. Est-ce que d'abord vous êtes venu pour ça? Vous êtes venu restaurer la dignité des Gabonais, restaurer les institutions, organiser les élections présidentielles. Est-ce que vous êtes venu faire ce que vous êtes en train de faire? Tant bien même qu'il y a la continuité de l'État. L'autre n'empêche pas l'autre. Mais pourtant vous oubliez l'essentiel, les priorités. Ce dont vous êtes venu faire. Pourquoi vous mettez ça de côté? On doit s'asseoir et regarder. Au point même, vous avez demandé à vos édungués de endiémer les doctorants et les docteurs du Gabon d'écrire un projet qui a votre image. Un projet constitutionnel qui a votre image. Donc nous, on va s'asseoir, on va te regarder. Donc vous pensez que le Gabon, c'est votre propriété privée? Vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants, vos femmes, vous allez manger l'argent du Gabon, vous allez bouffer le Gabon. Et nous, les Gabonais, qui aimons le Gabon, on va vous laisser faire. Au pauvre, vous nous sacrifier. Moi, je vous ai fait quoi? Quand Danger avait la longue taille, il appelle les Edoungé notoires, que je n'ai pas vu depuis que je combats le système Bongo PDG. Dans le rétroviseur, leur dit que non, allez-y attaquer le phénix. Je t'ai fait quoi, Danger? Princesse, t'as fait quoi? Maman Suzanne, t'as fait quoi? Dana, t'as fait quoi? Le grand Franck Bizigui, t'as fait quoi? Toutes les personnes que vous mangez matin, midi, soir, le grand aimé, vous nous mangez sous vos panneaux. Qu'est-ce que nous, on vous a fait? C'est nous qui avons sacrifié le Gabon. Marie-Marie Bourantou, 32 ans à la cour constitutionnelle sans lier le droit. Vous l'avez encensé la dernière fois quand elle est partie représenter le Gabon à la haie. Et pourtant, celle-là, c'est le diable. C'est une sorcière. Elle n'a jamais voulu que le Gabon se libère. Elle n'a jamais voulu lire le droit. Elle n'a jamais voulu que les Gabonais comme vous, les Gabonais lambda, puissent aussi avoir une place au soleil. Elle a combattu à ce que son système, le système de son mari, perdure. Vous l'avez encensé. Donc nous, on doit s'asseoir et vous regarder. Vous êtes plus que qui? Vous êtes qui au Gabon que nous, on va vous laisser gaspiller le Gabon comme Bongo l'avait dit. Ne faites pas du Gabon ce que Dieu n'a pas demandé que vous puissiez vous faire. Ils ont dit quoi? Il a dit quoi? Le menteur aussi. Pas son âme. Ne faites pas du Gabon quoi? Dieu ne nous a donné du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Donc, nous, on va vous laisser faire ce que vous voulez faire là.
Pas question. On va se lever. On va continuer à combattre. Même si on ne voit pas le combat là, la libération du Gabon, nos enfants, nos petits-enfants vont voir. Et nous allons déjà faire notre comment on dit ça, notre part. On est en train de marquer notre histoire. On va toujours parler. Danger et Kominyondo. Je ne t'ai jamais insulté. Je ne t'ai jamais manqué. Et comment? Et Kominyondo. C'est très profond. Déjà, je tenais à dire ceci à Princesse. Vas-y. Tu sais, la Princesse, tu te rappelles, on avait parlé il y a de cela 6 mois. Quand je te gazais, même, je t'appelais la bleue. Tu pétais même avec moi. Je disais, ma petite, tu es encore bleue. Pourquoi? C'est parce que tu n'avais pas encore passé le baptême de feu. Aujourd'hui, tu as ta place dans la reine. Et ce que tu fais là, plusieurs personnes qui te dépassent même en âge n'ont pas ce courage là. Et ça ne fait que commencer. J'ai aimé ce que le Félix a eu à dire, il ne fait que le répéter. Oligui, en arrivant, Oligui, sa façon de régner, il applique ce qu'on fait diviser pour mieux régner. Vous avez même vu le discours qu'il a eu à tenir à l'égard des populations de Lebaba. Mm-hmm. Il dit, regarde, Lebaba, rentre au village, je suis fatigué de vous voir dans les PK. Je dis, attends, oh. Un Gabonais est libre de se poser où il veut, quand il veut dans le Gabon, peu importe la province qu'il choisit. Rentre à Lebaba, qu'est-ce qui est l'origine de l'exode rural? Est-ce que dans nos provinces là-bas, les Gabonais peuvent survivre? Si là-bas, dans la capitale, on n'arrive même pas à survivre, en fait. Là, il y a problème. Et le truc, c'est la communication. Vous savez, hein, et ça, c'est même ça qui a fait, parce que même lors de mon entretien avec Oligui, devant Stéphane Zeng, Landry, Bertrand Zibi, Télésphore Gobo, Arthur Lemami et Yannick Domba, la seule personne qui a eu à péter les plombs avec moi, c'est Télésphore Gobo. Comme j'ai eu à dire à Oligui, face to face, que ta communication est nulle. Télésphore Gobo, il a pété les câbles comme s'il avait les règles. Il a pété les câbles. Le truc, c'est quoi? En communication, faut apprendre un truc. Le Gabonais réagit avec l'émotion. Le Gabonais est un être émotionnel. Dès que le 30 août est arrivé, dans la tête du Gabonais, c'était « Tout va être nouveau pour nous. Nous tous, on va avoir le travail. Nous tous, on est nanani. » Moi, j'ai vu, quand j'ai fait le live devant 22 000 personnes, c'est sur ma page là-bas, le 30 août. Quand je suis sorti pour dire les gars, doucement, j'ai même vu les commentaires des Gabonais. Avant même que je n'insulte Olivier, hein. Oh, bah, le grand chef, tu peux même déjà arrêter le téléphone. On n'a plus besoin de toi. C'est que, oh. Mais les gars, vous ne savez même pas, c'est tout beau, tout nouveau. On vous dit les choses, on dit les gars, méfiez-vous. Faites attention. Les gars, oh, non, bouge, tu me fatigues. Jusqu'au jour où je suis venu péter les plombs avec Oligui. Et bim. C'est pour dire quoi? Il y avait déjà cet esprit-là. Et les Gabonais, à chaque fois, je dis ça même dans mes lives. Retrouvez votre esprit de liberté que vous avez eu avant le 30 août. Parce que si le CTRI a eu à faire ça, c'est pour sauver leur peau à eux. Parce que les Gabonais devaient faire tomber le système au PDG là le 30 août. Je vous le dis et je vous le répète. Ouais. Un temps, Oligui a fait le coup d'État pour sauver les Gabonais. Un temps, Oligui a fait le coup d'État à cause de Mili Bidze. Vous ne voyez même pas comment Oligui lui-même, il dit un truc, il se contredit. Oligui est venu en premier, il vous a dit, peuple gabonais, j'ai pris ça pour restaurer les institutions, après je remets ça aux civils. Au commencement était la parole fut Dieu et la parole était avec Dieu. Quelqu'un qui dit un truc, il revient, il change de version. Quelqu'un qui allait nous dire à Mwanda que nous sommes des mendiants, ok, on insulte Oligui. Oligui a insulté tout le peuple gabonais. Tout le peuple gabonais. On n'a pas besoin de dire bah, le compton cul pour insulter le peuple gabonais. Il a dit au peuple gabonais, vous êtes des mendiants. À Mwanda, son discours est là-bas. On se lève pour dire que nous ne sommes pas des mendiants. Les Gabonais nous insultent. Non, dégagez. Vous radiquez. Quelqu'un veut dire que toute notre nation, nous sommes des mendiants. On doit apprendre bien qu'on vous huait sur quelqu'un. On hue sur qui? On hue sur des personnes. Qui nous tue, on hue sur des personnes, qui nous pille, on hue sur des personnes, qui nous malmène, on hue sur des personnes qui sont le summum de l'injustice dans notre pays. Mais il nous dit,
Parce que lors de son discours, lui qui dit qu'il est là pour le peuple, il cite tout le monde. Et quand il cite Batolo, la population de Moanda se met à huer. Un président qui écoute son peuple va dire le nom que j'ai cité là, j'ai cité tout le monde, mais pourquoi dès que j'ai cité ce nom, la population s'est mis à huer? Il devait passer à autre chose. Mais qu'est-ce qu'il fait? Parce que bien avant, à Tshibanga, il avait dit faites ce que je demande. Il donne l'ordre, en fait. Je suis le chef. Donc vous devez faire ce que je demande de faire, que vous aimiez ou pas. Ces discours sont toujours là. N'ayez pas une mémoire de poisson rouge. Oh, les Gabonais, on fait quoi? On applaudit. Quand il est venu même dans le même Moanda, exposer le jeune Gaëtan qui lutte pour la population de Lehima, les Gabonais, on fait quoi? Applaudit. Jusqu'à lui-même, il a dit, vous me connaissez, hein? Moi, je vous te mets en prison. Voilà pourquoi on veut la séparation du pouvoir. Parce qu'indirectement, il dit que c'est lui qui est le sommet. Il prend une en prison. C'est comme ça que ça se passe. Et en plein discours devant les Gabonais. Et vous avez oublié ça. Le même revient encore dans son contradictoire légendaire. Et de nous dire, parce qu'il sent que le référendum arrive, je quémande votre vote. J'implore votre vote. Mais peuple gabonais, tu ne vois pas que Oligui, il part de mensonge en mensonge. Demain ou après-demain, tu diras quoi? Et tu ne vas pas dire que Phoenix ne t'a pas averti, que Dana ne t'a pas averti, que Princesse ne t'a pas averti, que Suzanne Barat ne t'a pas averti, que Yahan ne t'a pas averti, que Mwanga ne t'a pas averti, que Badokon Chef ne t'a pas averti, que Mwanawinche ne t'a pas averti, que Christian Rekula ne t'a pas averti, que tous les autres, même l'activiste qui a deux vues, ne t'a pas averti. Quand demain tu vas te retrouver face à ça, tu diras quoi? Nous voyons un communiqué où on dit au PDGiste de ne pas sortir, mais les PDGistes jubilent. Le CTRI est venu dire la task force. Où sont les résultats de la task force? Le CTRI est venu dire aux Gabonais qu'ils vont faire l'audit de Delta Synergie. L'audit de Delta Synergie est où? Oh, le rachat de la Sala. Le rachat de la Sala a fait sortir combien de Gabonais du chômage? Rien. Où sont les fruits du rachat de la Sala là? Ils ont des problèmes. Mais on vient vous pondre des trucs. Voilà. Quelqu'un veut vous dire que le béton, je préfère 10 000 fois. Quelqu'un veut me dire que 1 milliard, 1 kilomètre. Mais vous me dire 800 millions, 1 kilomètre de béton. Et vous êtes là, vous souriez. 800 millions, 1 kilomètre de béton, peuple gabonais. Et vous qui êtes à Libreville, je vais même faire ça. Mais franchement, ils vont filmer les zones là-bas. C'est que la zone est couverte. On bétonne 2 kilomètres ou 5 kilomètres. Après, on laisse le chantier là-bas. C'est pas fini. En fait, des tronçons par tronçons. La seule zone qu'ils ont mis le béton tranquillement, c'est à Caillé là-bas. Le reste, ça en fait 2 km, 3 km à prendre des charges. Peuple gabonais, tu as vu comment Oligui allait déposer ses enfants à l'école des Blancs. Tu as vu qu'à Bellevue 2, nos enfants, ils sont même incapables de mettre des toilettes décentes dans l'école publique de Bellevue 2, où nos enfants partent dans la fosse d'aisance. Il n'y a pas. Même pas de barrière. Tu parles de même des toilettes. Il n'y a pas la barrière. Merci. Est-ce que l'enfant de Bouloncho peut apprendre dans ce type de conditions? Est-ce que l'enfant de Ligui peut apprendre là-bas même 2 secondes? L'enfant va pleurer. Mais on a nos enfants qui partent, qui obtiennent le CEP et le concours. Même nous-mêmes, on est passé par là-bas. Il y a des reptiles. Peuple gabonais, tu vas rester débile jusqu'à quand? Tu vas rester manipulable jusqu'à quand? Tu vas t'en prendre aux personnes qui ne veulent que ton bien jusqu'à quand, peuple gabonais? Pourquoi tu fais ça? Croyez-vous que si nous, mais pourquoi ils nous attaquent? Posez-vous la question. C'est parce que après le coup d'État, les gars voulaient que nous, on ne parle plus parce qu'on dérange. Peuple gabonais, on se met à fermer nos bouches. Vous allez nous pleurer. Vous allez nous chercher. Moi, je vous le dis aujourd'hui, hein. Les gens qui parlent là-bas. Oui. Concernant les écoles, pour renchérir en disant que les Gabonais, quand j'ai fait la vidéo sur ça, ils m'ont dit. Tu veux que monsieur Oligui va mettre ses enfants dans les écoles, il n'y a pas la sécurité. Donc ce sont vos enfants qui doivent rester dans l'insécurité. Tu vois comment ces gens-là réfléchissent? Mais donc, regarde d'abord l'aspect social. Regarde dans la France où nous tous. Regarde un peu dans la France où tous nous sommes là. Tu apprends dans le public, tu n'en vis pas un enfant qui apprend dans le privé. Effectivement. Tu ne l'en vis pas. Parce que tout est mis en place, en fait. Tout est mis en place. Mais regardez nos écoles. Moi, mais en fait,
Vous ne comprenez pas pourquoi qu'on sort. Oui, je parle, là je parle de moi, avec ma propre bouche. Pourquoi parfois je manque de tact? Pourquoi parfois je suis impoli? C'est parce que quand je vois une colère, je regarde, je dis, hé Seigneur Jésus, notre pays, vous ne connaissez pas quelle joie j'avais dans le cœur quand j'ai vu que, en étant live, quand j'ai vu que oui, il y a eu le coup d'État, j'étais content, j'ai pleuré en live devant les Gabonais, que oh, c'est fini, enfin tout ça là était abîmé. Enfin. Mais dès que j'ai vu le matin, j'ai dit que, les gars, oh, dès qu'il y a, après 2 heures de temps, j'ai dit non. L'euphorie là doit d'abord se calmer, il faut qu'on analyse. Peuple gabonais, si Oligui se comporte comme ça aujourd'hui, c'est à cause de toi. Parce que tu n'as pas été exigeant dès le départ. Exact. Tu n'as pas été exigeant, tu as directement pris le pays, tu as donné. Tu as directement gommé les paroles et non les actes. C'est toi, peuple gabonais, qui a rendu Oligui méchant comme il est aujourd'hui, je te le dis. C'est même pas Oligui. Parce que quand tu arrives, l'homme des bons, c'est la société qui le corrompt. Peu importe ses antécédents. Mais à partir du 30 août, le peuple gabonais a pris son tout, écarté les fesses, donné tout au Oligui. C'est vrai. Sans être rigoureux. Ça tout est ainsi. Sans dire que, attendez, il dit ça, oui, il y aura l'emploi. Attendons d'abord de voir d'abord comment il y aura les postes budgétaires là. Attendons. Oh, donnez les dossiers. Attendons de voir un peu si les gars là, vont être recrutés. Oh, le tramway. Attendons. Est-ce que le tramway là, oui, il y a même des gens là pour poster une rail. Il y a une rail qui a été posée pour le tramway. Ils ont seulement déblayé le... Voilà. Donc, attendez. Toi, là. Attendez. On vous demande une seule chose. Attendez, soyez patient. Vous croyez que combien de Gabonais veulent entreprendre? On est incapable au Gabon de mettre même 100 milliards pour les Gabonais qui viennent avec des projets. Même financer ces derniers pour dire que, ok, parce que tous les projets, c'est pas comme dit Joffre Foumboula, vendre des croquettes, je suis désolé. Il y a des Gabonais qui ont des sérieux problèmes, projets dans le BTP, dans l'informatique, dans les marchés, ils ont des sérieux projets qu'on peut finaliser. On finance, on dit, tiens, 1 milliard, va faire ton entreprise, tu empoches 100 Gabonais là-bas. Ou 200 Gabonais. Tu les embauches là-bas. Et après, tu rembourses à l'État, comme ils ont voulu, comme ils sont en train de faire avec leur taxi gab là. Combien de milliards ont été dépensés dans les tournées là? Qu'est-ce qui a été suivi derrière? Pourquoi le peuple gabonais, c'est toi qui es au Gabon, c'est toi qui subis? Vous croyez qu'on est posé ici en France, on est là, ok, on ne sert à rien. Mais je préfère même ne servir à rien dans la France que de subir, parce que vous ne vivez pas au Gabon, vous subissez. Vous qui nous insultez, nous qui sommes en France, mais il faut voir comment dans nos inbox vous nous écrivez, non? On fait comment pour monter, grand? On fait comment pour monter? On veut monter, on veut monter. Mais pourquoi vous voulez encore fuir le pays du lait et du miel? Pourquoi vous voulez encore fuir le pays qui est juteux? Mais pourquoi vous attaquez vos propres frères? C'est ça que je me demande au peuple gabonais. Oui, on n'est pas parfait. Mais nous, on vous a fait plus de mal avec nos injures, nos mots, nos postures, plus que les gens du PDG qui sont autour de là-bas. Oligui lui-même, Bertrand Zibi a dit que Oligui rentrait dans la prison le torturer. Ce discours de Bertrand Zibi là-bas, j'étais moi-même chargé de la communication de Bertrand Zibi quand il est sorti de prison avec Claire Newman. Donc je peux retrouver le discours là sur la page de Bertrand Zibi, sur Almine là-bas. Où Bertrand Zibi lui-même disait qu'Oligui rentrait en prison le torturer. Nul n'est parfait dans l'histoire là. Mais pourquoi c'est nous qui devenons les ennemis du Gabon? Ah, peuple gabonais, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça à tes enfants en fait? On t'a fait quoi? C'est quoi? C'est défendre tes valeurs comme ça, à cause de ça que tu ne nous aimes pas? C'est quoi? Parce qu'on vient avec la fougue, la rage. Voilà pourquoi tu nous rejettes, peuple gabonais. Qui est souvent là quand tu as besoin de lui, de lui? Qui se lève quand tu l'insultes? On est exigeant. Voilà. Mais tu es là, Phoenix est là. Phoenix, on peut faire tout, insulter Phoenix comme vous voulez. Mais le jour où le Gabon a un problème, il a pleuré la nuit. Le lendemain, il prend son téléphone. Il vient parler pour les Gabonais. Pareil que toutes les personnes qui sont sur le panel là. Pourquoi? Je m'en fous de la douleur d'Oligui. Je m'en fous de la douleur du CTRI. Mais ce qui me fait mal, c'est la douleur qui vient du peuple gabonais. Pourquoi tu fais ça à tes enfants? On t'a fait quoi? C'est ça, on t'a fait quoi, hein? Et je vous dis sincèrement, si on continue la logique là, on ferme nos bouches, même juste pendant 2 semaines. J'ai toujours dit que même Dieu regarde le Gabon dans les cieux comme une série Netflix. On fait 2 semaines, voire 1 mois. Mais la preuve, quand on ne parle plus, oh c'est fini, vous ne pouvez, le Gabonais dans sa bipolarité. Vous ne parlez plus, c'est sûr qu'ils ont reçu l'argent. Hein. Ils viennent t'insulter quand tu parles. Après, quand il y a un problème, tu ne parles plus. Oh, il ne parle plus, on dirait qu'il a reçu l'argent. Hein. Il faisait le bruit là pour l'argent. Voilà pourquoi il ne parle plus.
Non. J'ai dit, mais Seigneur Jésus, vous voulez quoi à la fin? On parle, on est les plus impolis. J'ai vu sur des postes où qu'on nous insulte, je vois un Gabonais qui écrit, les activistes m'énervent. J'ai dit, wow! Vous arrivez à ce stade, les gars. On vous énerve, quoi, vous avez quoi? Les activistes là, m'énervent. Je dis, hé, qui est ça, fait le mal? Comme tu dis seulement le phénix, Anini, Zemungo, c'est quelque chose projet comme ça, tu l'as expliqué, qui est? C'est comment? Yoba Manu, c'est quoi? C'est le bon de tes échanges que le fumeur qui me fait lire les trucs comme ça. Manu Yam. Non, c'est vrai, tu as raison, Yamini. Ça fait mal. Vous cherchez les mots. Par là. C'est incroyable. Et ils disent même que dans les panels, quand on fait la princesse Dana, ils nous disent, oh, vous ne parlez pas des professeurs là qui n'ont pas le salaire. Les maudits. Les maudits. Allez-y voir Gabon 24. Vous leur demandez de parler de vos problèmes. Nous, on est qui? Nous sommes de la fin. On n'a rien. On gaspille. Nous sommes les... Ils disent souvent quoi, princesse? Nous sommes contre l'évolution du Gabon. Jusqu'à ils te trouvent un... C'est-à-dire qu'ils te feraient un chemin. Ils débroussent un sentier. Et puis, ils te prennent, ils te mettent sur le sentier. Ils disent que ta route, c'est là. Toi, tu dois parler des faits sociaux quand les gens ont comment on appelle ça? Le marteau est rentré dans l'oreille de l'enfant d'un Gabonais. C'est ce que toi, tu dois parler. Oui. Ils te disent ce que toi tu dois dire. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas eux qui payent ta connexion, ce n'est pas eux qui payent, je ne sais pas, ton téléphone. Ils payent la véritable personne qui a compris l'esprit des Gabonais, c'est le Félix. Je vous dis, c'est ça, bon. C'est lui qui avait raison même de le départ. Félix avait raison de dire que vrai, Je me rappelle quand c'est chamaillé chez Claire, c'était à cause de ça. Je dis que moi, les Gabonais vont maintenant souffrir. Je ne vais même plus parler, bien même aider un là-dedans. Oui, il a vendu les gars le Gabon. Il est maintenant en Côte d'Ivoire et au Cameroun. Mais oui, c'est ce qu'ils m'ont dit. Là, je vais faire comment je suis revenu dans l'affaire du Gabon, là. Quand l'affaire du Cameroun. Quand le Cameroun a eu des problèmes, j'ai dit que pardon, c'est mon pays, je vais un peu mettre ça derrière le dos. Derrière mon dos. J'ai soulevé ça. Là, ils m'ont reconnu. Ah là, c'est... On reconnaît le Phénix. Ah, vous me reconnaissez. Là, tu veux me montrer les gens. Tu n'avais plus faim, donc tu pouvais me la parler. Oui, là, là. Mais moi, je vais quand même prendre la parole parce que j'ai écouté, je sais pas si tous les gens qui sont là sur le panel et toutes les personnes qui écoutent le live, je sais pas s'ils ont écouté attentivement les propos des princesses. Je ne sais pas si vous mesurez la gravité de ce que Princesse a dit là, qu'elle a subi. C'est très, très dangereux. Parce que quand tu te rends compte que pour faire taire quelqu'un, on va faire pression sur sa famille. Et pourtant, il y a un article, il faut préciser moins. Toi, tu me parles avec les articles. Oui. Oui, oui. Non, mais tu sais que le référendum, comment on appelle ça? C'est l'article 43, non? 43, le de la Chambre. C'est 42. C'est pas, 43, c'est l'autre. C'est ce qu'ils ont changé. Le 43, ils ont mis en le droit d'utiliser sa famille, patati. Exactement. Est-ce que vous vous rendez compte que parce que Princesse a une audience, vous vous réunissez, directrice des cabinets, pour aller faire pression à la famille. Moi, je dis souvent aux gens, quand vous faites d'initiative, quand vous prenez ce genre d'initiative là, est-ce que vous mesurez la portée? Parce que supposons que tu es parti faire pression, je ne souhaite pas, il est arrivé quelque chose au père des princesses. On va dire quoi chez elle? Que c'est parce que elle a une audience, elle est contre le système, donc elle a poussé son père à trépas. C'est ça. La personne qui a causé ça ne va pas voir que c'est elle, hein. Mais Mwanga, ce que tu ne dis pas, mais je vous dis qu'on subit des pressions énormes. Est-ce que on sait, est-ce que les Gabonais savent aujourd'hui que je suis presque isolée à cause de ma position? C'est-à-dire que même ma sœur, si tu vas faire un message, même à ta sœur m'a dit que, oh, pardon, on va venir me prendre mon téléphone, on voit que tu m'as écrit. Mais c'est incroyable! Mais moi, vous partez même loin. On parle de l'affaire qu'on ouvre Pentagone là. L'affaire de Pentagone, où ils ont menti sur l'affaire du drapeau. C'est comme ça qu'ils font.
Il crée un mouvement pour te salir. Vas-y, mon gars, je te plaît, désolé. Même pour rejouer par rapport à ce que Princesse disait là, tu as vu Princesse, ce que tu dis là par rapport aux menaces que tu as eues par rapport au boss et la réaction des Gabonais. Moi, ce qui me tue, c'est quand j'ai vu la manière dont on a lacéré le corps du petit frère de Thibaut Adjatis et j'ai vu les Gabonais dire à Thibaut Adjatis oui, les 8 000 heures, oui, quand on vous demande de fermer la bouche, ils ont oublié qu'on ne peut pas traiter un humain comme ça. Non. Ce qu'ils ont fait, c'est bien. C'est normal. Mais dis-moi, il faut fermer ta bouche. Voilà comment on peut tuer ta famille. Je dis, Seigneur, le Gabonais, qui est? Mais Yann, ce que tu dis, c'est moins cruel. Est-ce que tu te rends compte de ce que pendant les couvre-feu, les gens sont morts et tu as des gens qui viennent dire, mais ils faisaient quoi dehors? C'était le couvre-feu. Exactement. J'ai entendu ça. Regarde, Giovanni, pour Karl, pour Karl, la partie qui m'a tué, avant qu'on annonce le décès de Karl, il y a d'abord sa sœur qui est passée, qui a fait une vidéo où elle a mis des photos de son bodge, comment les gars l'ont vibré, les fesses étaient rouges. Les Gabonais ont dit, oui, tu foutais quoi dehors? Karl, on a vu son corps. Les Gabonais, comme tu dis, Giovanni, tu as 100% raison, ils foutaient quoi dehors? Peuple Gabonais, Dieu te voit, un jour tu vas nous pleurer. C'est là même récemment, là, le frangin qu'on a mis là, que je sais pas, qui a eu la foule. Oui. Tu as vu les commentaires des Gabonais? Ils ont dit, mais qu'est-ce que tu as d'abord fait? Ah! En fait, c'est quoi, policier, pour que tu. On ne croit pas à ton affaire. L'état du corps du gars, c'est pas ça leur inquiétude. Leur inquiétude, c'est qu'est-ce que toi tu as fait? L'autre petit là, que le petit qui défait la chronique maintenant, là, récemment, là, le Félix, il s'appelle comment? Steven. Pendant ton live, il y a une femme, je suis parti sur son profil, regarder qui c'était. Tu sens que la femme là, c'est une mère de famille. Elle a quand même demandé où est le scanner. J'ai dit, ouais, ok, aujourd'hui on te montre le scanner. Démontre-moi que le scanner là montre que le petit a eu le crâne pété. Puisque toi, tu es maintenant médecin, tu sais lire un scanner. Si la maman montrait le scanner là, tu devais lire que là, le scanner révèle effectivement qu'il a eu une fracture de la boîte crânienne. Tu es capable de faire ça. Mais ce qui est bien, mon gars, ce qui est bien, c'est que quand ils font ça, non, eux-mêmes, ils ne sont pas à l'abri de ça. Sinon, Claire Newman n'aurait pas dormi au commissariat. Sinon, Landry Amir Washington n'aurait pas eu besoin que le président appelle pour le sortir de prison. Parce que, en vérité, quand on reste sur la bataille des principes, on ne défend pas les principes avec une attitude à géométrie variable. Soit tu défends une violation des règles, et quelle que soit la tête de celui qui est privé de ses droits, tu défends, tu ne regardes pas la tête de celui qui subit. Mais le problème, c'est que eux, ils décident que bon, parce qu'on doit défendre notre roi, notre Dieu, notre sauveur éternel. Ouais. Mais ça, on doit justifier tout. Exactement. Même la mort des gens. Sauf que ce qui est bien, c'est que quand on aura fini de tuer ce que vous pensez, parce que vous pensez n'arrive qu'aux autres, vous-même vous allez vous retrouver dans la même situation. Claire Newman en sait quelque chose. Et tu vois un con comme le bouffeur de shawarma qui vient dire que oh, princesse de la faim, oh, princesse est venue me demander 10 millions, bah de con que tu sois. Donc moi j'ai parlé avec Chico. J'ai un élément comme ça sur Chico. J'ai le numéro de Chico. Je ne rentre pas en contact avec Chico pour dire à Chico que non. Chico, si tu me donnes pas 40 millions ou bien 100 millions, je mets tes audios sur les réseaux sociaux. Et puis c'est toi, un chien de merde, qui est venu au Gabon. Je ne sais même pas par quel moyen tu arrives au Gabon. Ça fait toi que je vais venir négocier 10 millions. Et les Gabonais prennent ça parce qu'on veut te coller une image qui te salit. On vient de dire non, activiste de la faim. Mais franchement, vous pensez que pour négocier avec le pouvoir, j'ai besoin de passer par un rigolo qui a le ventre avec le cerceau comme nazi pour venir négocier avec mon pays? C'est-à-dire que pour remettre les pieds sur la terre de mes ancêtres, je vais passer par un bangala non coupé comme nazi. Sérieusement. Et la méchanceté des Gabonais, ce n'est même pas la méchanceté des Gabonais, parce que le Gabonais est un peuple traumatisé. Et on a des apprentis sorciers. Et nous, on est automatisés, pourquoi? Non.
Nous, on est l'exception qui confirme la règle, en fait. Ah bon? C'est les sorciers, ils ne sont pas traumatisés. Tu as des apprentis sorciers comme Epaminonda qui vont conspirer. C'est-à-dire que pendant que nous, on dort, au-delà de tous les problèmes qu'on a, on prend quand même la peine de dormir. Eux, ils sont là, en train de faire les chup-chup-chup-chup-chup dans les inbox pour déterminer comment ils vont se réveiller le matin pour venir salir nos images, pour venir nous traquer comme des animaux. Vous vous rendez compte? Mais vous n'allez pas nous décourager. Parce que, c'est comme si c'était une mission divine. Quoi. C'est-à-dire que quand tu dis que je ne parle plus les histoires du Gabon, quand tu dors, tu ne dors pas bien. Tu as un truc qui te dit que vas-y, 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 va parler. Vous n'allez même pas nous décourager. Parce que si c'était le découragement, je jure que j'ai déjà fui les réseaux sociaux depuis. Est-ce qu'il y a une femme, depuis 2023, juste 2024 là, il y a une femme sur les réseaux sociaux ici, TikTok, qui a été lavée comme j'étais lavée, humiliée comme j'étais humiliée, jusqu'à insulter mes enfants ici? Il y en a une qui a été plus que moi là. Tata Huguette là, c'était peut-être il y a 2 mois là où ils sont en train de ressortir ces trucs parce qu'ils veulent l'emmerder. Mais moi, pratiquement, sur 8 mois, ce rigolo de Paminonda n'a pas arrêté de faire des likes sur moi. Il n'a pas arrêté de m'accuser de tout et de rien jusqu'à il dit que moi, je l'ai appelé un jour pour lui dire que viens, on va insulter Oliguinou 2. Que lui et moi, on va venir insulter Oligui. Tout ça parce que on ne doit pas parler. Oligui doit faire sa transition sans qu'il n'y ait des bruits de mouches ou bien des bruits de moustiques qui passent à son oreille. Mais tu as menti, Oligui. Tu as vu en un an comment une poignée de jeunes a dit qu'on a cassé ta popularité. Tu es obligé de supplier le peuple gabonais pour dire que s'il vous plaît, allez-y voter. Ce n'est pas le langage que tu avais il y a 6 mois. Hein. Tu as dit que la main qui demande est toujours en bas. On t'a démontré A plus B que tu as l'argent. Tu penses avoir le pouvoir. Mais nous, hein, on est des dérangés dans la tête que si on dit qu'on t'est... Il y en a même qui me disaient que ce que vous faites sur le métal, hein, c'est le bruit. Quand tu mets la radio chez toi et que la radio fait le bruit, si tu ne veux plus écouter la radio, qu'est-ce que tu fais? Tu diminues le son. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça. Hein. Il m'a dit que quand vous parlez, si nous on ne veut pas vous écouter, on diminue votre son. J'ai dit que mais c'est très bien. Quand vous allez diminuer le son pour que vos oreilles n'entendent pas. Mais les oreilles des Gabonais vont entendre. Et le résultat qu'on a aujourd'hui, c'est que les oreilles des Gabonais ont entendu notre message. Aujourd'hui, tu vas sur les publications de Badoukon, je ris fatigué. Tu as un Gabonais qui te dit que mais ça c'est quel discours ça? Ça c'est le discours d'un intellectuel. Mais le président, il a quel problème? Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, le pays va où? Il y a 6 mois derrière, il y a 8 mois derrière, tu mettais une publication sur les guillemets, on te lavait propre. C'est pour vous démontrer que vous êtes tombé sur la mauvaise génération. Vous allez faire comme vous voulez faire. Nous, on est que là, bango, bango avec vous. On ne vous lâche pas jusqu'à quand vous allez partir. Et ce n'est plus loin. Vous allez partir. Voilà. Le plus grave, ce n'est pas les pages où... Mais pas la on parole d'un bon. Tu demandes qui tu veux voir. Le plus grave, ce n'est pas les pages où on sait que c'est déjà un acquis. Le plus grave, c'est que même à l'intérieur du Pentagone, il y a des gens qui nous ont écoutés. C'est ça qui est plus grave. C'est-à-dire que les gens qu'ils ont recrutés, qu'ils payent pour faire leur travail, ont écouté ce qu'on dit, au point que les gens se retournent et ils mettent sur la place publique les films qu'ils montaient dans leur chaîne de cinéma. Là. Dana, on t'écoute. Moi, je dois faire un travail, parce que moi, j'ai déjà clairement dit. J'ai une autre manière de régler les problèmes. J'ai un petit côté un peu sociopathe. Parce que j'aime pas juste faire les lives. C'est un peu un côté de moi que j'avais énormément rangé. Mais je me rends compte que comme il y a longtemps, je n'ai pas montré ce côté démoniaque de moi-là. Il y a des gens qui ont oublié à quel niveau. Je m'en vais pas dans le... Bonsoir. Moi, je vais aller appeler la sœur du pain béni, Green. La grosse bordelle qui vit aux États-Unis, c'est une chienne, et je vais la traiter. J'ai décidé ça, qu'elle m'emmène dans les tribunaux, parce qu'on ira expliquer à la justice nord-américaine ce qu'elle faisait dans un groupe qu'on appelle le Pentagone. Mais je ne sais pas si les gens se rendent compte du schéma que nous avons décidé d'emprunter, comment les choses se sont faites. Pendant
ces derniers temps, il y a quelque chose qui habitait mon âme et mon esprit. C'était le fait de la situation d'injustice que vivait le petit frère, le Phénix. Quand on était allé régler la situation de Nazi, ça m'avait un peu fatigué. Je me suis dit, il faut qu'on revienne sur cette histoire parce que j'ai bien peur que cette histoire-là le colle, comme ça m'avait collé avec l'affaire de Bronzo. Regardez la chronologie des choses. Vous savez, Dieu se cache toujours dans la vérité. Les bouddhistes disent Nzambe Kana. Nous, les spirituels, on va dire que l'être suprême, les musulmans vont dire Allah et whatever, whatever. En recherchant la justice, Dieu nous attendait pour faire un pas vers une autre justice. Parce que c'est dans les petites choses, parfois, que nous viennent les grandes choses. Il ne faut pas négliger une situation. Il ne faut pas laisser ton frère se noyer. Si tu sais que tu peux l'aider, n'aie pas peur. Même si vous êtes les deux dans l'adversité, vous êtes isolés ou isolés, c'est un conseil que je donne à qui que ce soit ici ce soir. Ne l'oubliez jamais. Même si moi-même, Tata Huguette Dana, là, je suis la dernière à croire en chacun de vous. Soyez la dernière personne à être découragée de vous-même. Parce que moi, ce que je fais souvent, je fais de la pédagogie. Je parle à l'âme de quelqu'un et surtout la conscience. Nous parlons. Mais le plus important, c'est quoi? C'est d'impacter les consciences. J'ai toujours dit que le juge d'instruction avec lequel chacun de nous vivons ici-bas, le premier juge d'instruction, c'est notre état de conscience. En allant chercher la vérité sur l'histoire du drapeau, se trouvait le secret de la manigance du Pentagone. Dedans, la situation de Steve Akam nous attendait là-bas. Je ne sais pas. Ça a pris une disproportion inopinée. Quand j'ai fait ces deux lives-là, je ne pensais même pas qu'on allait revenir, mais j'ai eu quelque chose dans mon âme. J'ai appelé maman Suzanne. J'ai dit non. Je dois organiser un live sur le Phénix parce que je veux qu'on revienne dessus. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi il y a ce mensonge et pourquoi on insiste de coller cette affaire au gars? En allant là-bas, j'ai décidé de récupérer la petite là. Elle est maintenant en esclavage. Il faut aller la prendre. Hein. Elle est devenue maintenant la travailleuse des réseaux sociaux de chez les Camerounais. Elle a commencé le travail, maman. Elle travaille même gratuit maintenant chez les Camerounais jusqu'à on lui pose la question. Tu es sardinade? Que non, je ne suis pas sardinade. J'ai devant enregistrer ça pour envoyer ça à sa copine, la milliardaire. Elle une patriote. Non, la bestiole. Tu as quoi sur le live des étrangers? Je ne sais pas. J'ai mis la clé 14 sur elle. Je ne sais pas, mais je ne sais quoi. Comme le champagne, je l'ai popé. Boum! C'est tombé. Moi, je ne suis pas dans vos histoires. On va aller chez Oligui. Oligui aujourd'hui, et le truc là, il y a quelqu'un qui est assis au sommet de la pyramide qui a vu ça arriver et qui s'est dit, il faut qu'on se désolidarise de ça parce que ça ne sent plus bon. Ils ont sorti un communiqué parce que la véritable histoire qui va arriver, c'est quoi? Ils ne vont pas être là pour assumer les dégâts collatéraux. La lecture de l'heure a commencé déjà. Pour les membres du pantalon ou je ne sais pas. Et comme Nyondo, tu me connais très bien. C'est-à-dire, personne n'a mal au cœur comme moi. Mon cœur est en train de trembler. Priez pour moi. Parce que je veux que, au-delà de... Je suis ivre de colère. Et quand je suis ivre de colère, souvent je commets des actes au point où si j'avais raison, tout le monde va me donner tort. Parce que je ne sais pas m'arrêter. Priez seulement pour moi, que Dieu me donne la sagesse, que les ancêtres me donnent le courage d'attraper mon cœur, parce que mon cœur en train de trembler. Nous avons souffert ici pendant des mois. Regardez comment, à la veille du référendum, on nous a donné seulement quelque chose pour ouvrir les yeux des gens. Je ne sais pas si vous étiez sur le live du Camerounais, c'était honteux, hein.
C'était honteux. Même les soutiens du CTRI se font chercher. Ça faisait honte. C'était fracassant. C'était humiliant. Et au jour d'aujourd'hui, c'est clair. Le mot d'ordre a été donné. Oligui est en train de devenir pire que le tyran qu'il est venu enlever au pouvoir parce qu'il veut implanter la dictature totalitarienne que là où on ne doit même pas le prononcer parce qu'il est Dieu le Père du Gabon. Mais Danger vient de créer un ouragan qui va ramasser tout. C'est un volcan en fait. Je vais tout, oui. C'est-à-dire, on va tout fracasser de part et d'autre et puis ça ne va pas chauffer. Carles n'aura rien. Il ne va rien avoir. Parce que cet enfant-là, l'âme de cet enfant est en danger. Carles détient quelque chose. Il a peur. Maëva a montré quelque chose aujourd'hui dans le groupe et elle a fermé des noms et des commentaires. Bien plus dangereux dans leur truc de Pentagone. La vérité se trouve là-bas. Il y a un talon d'Achille et je vais encore casser. Je vais encore fouiller, je vais creuser et je vais trouver. Il y a des noms, des innommables qui doivent être jetés à la vindicte populaire parce que la vérité se trouve dans le Pentagone. Ils ont peur de quelque chose. N'a pas montré. Ils tournent. Oh non, en fait, le groupe, c'est le groupe choc. Ce n'est pas le groupe choc. Le vrai groupe où se trouve la vérité, c'est le Pentagone. C'est là-bas dedans. Et nous tenons aujourd'hui Ali Ekomi Niondo par la gorge. Je vais vous laisser. Je sais qu'il est sur le live. S'il n'est pas sur le live, les gens vont lui envoyer. Christian, le petit là t'a appelé aujourd'hui, Terence, le phénix. Tu appelles, tu donnes des mots d'ordre. Non, il faut le laisser parce que ça va frôler l'incident diplomatique. Ça va frôler l'incident diplomatique parce que tu as vu la posture responsable que le petit et moi, on a eu à prendre. Tu ne savais pas que ça devait arriver à ce niveau. Vous avez créé quelque chose où vous avez exposé la vie des Gabonais au Cameroun. Admettons que les anglophones, vous êtes même rentrés dans la crise. Anglophones qui ne concernent en rien l'État gabonais. Admettons que les Bamenda maintenant cherchent à rendre pour envoyer un colis piégé dans notre ambassade. A-t-on les visages là qui ressemblent à un totem qu'on invoquait dans le Grand Bénin, les anciens empires là. Tu pouvais sortir pour venir parler de ça. Et là, tu te caches dans les groupes Kanya, du haut de tu es un quinquagénaire. Depuis combien 72 heures, on a pris les enfants des gens ici, Balata. Merci. Tu ne sors pas. Tu es rititi dans les groupes. Tu négocies. Sauvez-moi. Sauvez-moi. Christian, qui va te sauver? Qui peut te sauver de moi? Tu vas échapper à tout le monde sur ce panel. Mais tu ne m'échapperas pas. Tu sais pourquoi? La loi karmique. Tu as menti. Tu as conspiré. Tu as dit tellement de choses sur moi. Mais le temps a décidé de restaurer la vérité. Tu pensais pouvoir rattraper ça. Mais regarde, un enfant, qu'est-ce que je vous avais dit? Il faut faire attention aux jeunes personnes. C'est une petite fille qui a réclamé la tête de Jean le Baptiste. Retiens bien ça. Un enfant est en train de te faire chanter. Ça dit, tu ne dors pas depuis 72 heures. Tu essaies, dès que tu vas attraper à gauche, on sort à droite. Tu es perdu. Tu vas faire comment? Ta corporation, tu dois rendre des comptes. Pourquoi tu ne réponds pas quand Terence t'appelle? Tu veux, c'est quelle négociation que tu veux venir faire chez moi? Tu es loyal de quel côté, en fait? La loyauté s'est passée quand? Ça s'est passé où? Réponds au Phénix, il t'a appelé. Il t'a appelé, pourquoi tu n'as pas répondu? Hein? Pourquoi tata tu n'as pas répondu? Allez appeler Tata Gray, Tata Grant, allons. Tu vas voir ce que je vais faire à toutes tes petites mouches maçonnes, les bestioles que tu as allées réquisitionner. Et je vous préviens, j'ai le numéro de Shadow. Je vais descendre. Félix, Béwale Okiri, allons ensemble. Ok.
Je vous préviens, j'ai le numéro de Shadow. Demain, je vais inaugurer. Comme elle se mettait dans les lives, dans les groupes là où on est en train de conspirer contre mon âme. Je veux comprendre. Ce groupe-là, c'était quoi l'utilité? Mais quelle honte! Le sang d'Akam. Merci, Sa Majesté. Le sang d'Akam. Le sang d'Akam. Je vous avais dit que le sang de cet enfant est sur chacune de vos consciences. Le sang de l'enfant camerounais là est lourd sur vous. C'est lui qui est en train de vous emmener. Toutes les fois qu'on se souvient de lui, il y a quelque chose qui se passe. Nous allons aller en campagne avec tes audios. Je prends la responsabilité. Je vais envoyer tes audios partout. J'inaugure la campagne. On va s'ambiancer au référendum avec les audios du Pentagone. Je vais pomper ça, mais partout. Je dis que voici les gens qui veulent nous diriger. Ils sont assis dans le noir à aller recruter. Ça veut dire que Christian, je mourrais aujourd'hui. Tu prenais mon enfant Ephraim pour l'emmener dans des activités pareilles. Maïva, son papa est mort. J'ai connu le père de cet enfant. Il s'appelait Fabrice Obam. Une petite orpheline. Tu exploites sa situation de précarité, de nécessité. Tu les recrutes comme ça et tu es en train de garder neveux et nièces dans la maison. Eux, ils n'ont qu'à venir dans les réseaux sociaux depuis 72 heures. Les bouches du pays sont réunies, on les a mis au milieu du village. Madame Bara tire à gauche, je tire à droite. Princesse de Souba tire à gauche, Terence tire à droite. Yandon vient tirer, Bouanga vient tirer. Même jusqu'à Alain est là, il va tirer aussi. Parce que je suis en train de partir. Mais tes enfants sont en train de dormir. Ça veut dire que je fermais les yeux aujourd'hui. C'est comme ça que tu allais rester à garder mon fils. Biziki, on dit, tu sais, tu répètes les mêmes bêtises. Je t'ai toujours dit, dans la nuit et dans le silence, que le clash que tu as avec le gars Fan, que je suis en train d'emmener à la justice ici au Canada, tu n'avais pas raison. Tu n'as pas de limite en amitié. Tu n'as pas de limite. Tu as détruit ton amitié avec Yanine Domba. Aujourd'hui, tu détruis. C'est-à-dire, qui sera là pour toi? Qui sera là dans les derniers moments? Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu es avec le gars Teke là. Je suis sûr que toutes les filles que tu couches connaissent la vie de Niamankala. C'est parce que non, on n'est pas dans le même milieu. Tu n'as pas de secret. Tu seras là pour qui, en fait? Tu ne dors pas. Christian, tu veux vraiment que je m'asseye pour qu'on parle de ta vie? Tu veux vraiment qu'on parle de ta vie? Parce que ça va intéresser les Gabonais. C'est le genre de débat qu'ils adorent. Princesse de Souba est responsable de la situation de ta vie. Tu veux blâmer qui pour tes mauvais choix de vie? Tu m'as appelé ici l'année passée, au mois de septembre ou octobre, j'étais chez la fille Mapagala à Ottawa pour me montrer, soi-disant, la maison qui a fini par être sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que je t'avais dit? Je t'ai dit que l'achat de cette maison pour moi n'est pas un exploit. Pour l'âge que tu fais. C'est l'âge de princesse de Souba, moi, le phénix et tout, qu'on peut dire que c'est un exploit. Je l'ai dit, pour le niveau de vie que tu as eu, tu devais être aujourd'hui soit ta deuxième ou ta troisième maison. Peut-être que c'est les vérités là, hein, qui t'ont toujours frustré. Je te dis, la seule chose que tu as réussi à faire, c'est d'enlever la honte parce que tu devenais un sujet de moquerie pour nous. C'est toi qu'on prenait en exemple, qu'on démontrait que je ne veux pas rater ma vie en Amérique. Je te l'ai dit, est-ce que j'ai besoin de m'asseoir pour parler de toi? Pourquoi tu veux me pousser à ramener le manque de respect? Parce que tu sais que je te respectais, mais en te disant la vérité. Tu veux parler de la vie de qui, en fait, Christian? Hein? Je te donne rendez-vous sur le Meta. Toi et moi, on va pas être sur le TikTok. Je laisse le TikTok là à tous les petites mouches maçonnes que tu... Toute la racaille. Princesse de Souba et moi, on va te montrer que nous sommes les enfants de l'Ougoué. Tu comprends?
Nous sommes des enfants de Lokwe. Mais fais ce que tu as donné, les vidéos aux gens pour ramener sur les réseaux sociaux. Christian, I have to show you something. Vous, les gars miennes, là, c'est le deuxième gars miennes qui me cherche les problèmes après Marceau Malekou. Tu me connais, non? Tu sais que je suis pire que... Ça dit que vaut mieux même avoir affaire à Lucrèce. Pas moi, tu me connais. Ton frère ici, le pain béni Arnold, il m'a dit quelque chose. Il pensait que je n'étais pas sage. Mais je pense qu'aujourd'hui, il me félicite énormément. Il m'a dit, quand Carles a commencé à parler, il m'a dit, Nana, ne parle pas. Attends d'avoir la preuve. Il ne savait pas que j'étais assise dans le noir. Depuis que la vidéo de ta femme, Lucrèce Mourende, est arrivée sur les réseaux sociaux, tu n'as pas vu que c'était le piège que je t'avais tendu. J'ai fermé ma bouche, keep quiet. J'ai observé comme tout le monde. C'était le piège. Parce que je t'attendais à l'autre carrefour de la vie où tu es allé maintenant aller me construire une vie. Tu construis une vie à Princesse de Souba. Tu continues le travail que Erline Dossier avait commencé de me détruire politiquement. Qu'est-ce que je vous ai fait, mes frères? Qu'est-ce que je vous dois? Comme Ndossi n'avait pas réussi avec l'affaire de Bourenço, tu ramènes... Toi, aujourd'hui, tu peux te mettre avec les gens qui prennent la part de Laurence Ndon. Tu peux te mettre avec... Mais Christian, tu manges ton vomi. Tu manges ton vomi. Tu es un lâche. Je suis venu ici dire clairement ce que je pense de Laurence. Toi, tu passais dans les inbox à la traiter de Camerounaise. Est-ce que toi, tu peux parler, en fait? C'est quoi le problème? Dieu a dit que, ok, je te donne les parents qui ont les moyens, à toi, je te donne le talent. Dieu a donné à chacun à la mesure. C'est le grand pain. De son choix. Même la petite visibilité que Dieu dit que, ok, je donne à la fille, elle va se débrouiller avec ça un peu. Christian, même la visibilité, là, je dois encore prendre pour te donner. Tu t'as dit, je suis déjà courte à 1m59, tu creuses un trou. Il faut que tu m'enfonces dans ce trou-là. Parce que on t'a expliqué que quand je serai dans ce trou, le phénix sera dans le même trou. Et Princesse de Souba sera dans le même trou. Là, on va prendre l'argent qui nous revient en tant que citoyen gabonais. Ma part de l'argent du contribuable. On va aussi prendre la part de Souba, la part de Mwanga. On a lavé même Grace Geno. Tu veux que je parle? A été insulté dans le Pentagone. Est-ce que tu veux que je parle? Tu n'as pas de limite. Tu n'as pas de limite. Facebook va se casser. Il y a quelle limite? Quelqu'un qui cherche l'argent sur le dos des Facebook, gens. Facebook là, ça va se casser. Donc, tu as dit de princesse et toi. Moi, je veux commencer à l'Obiama sur TikTok et sur Facebook. Hein? Grèce, en fait, c'est Geno. C'était sur mon dos. On veut me tuer à oui, c'était sur toi. Tu n'as pas entendu l'audio qui vient nous sauver. Pour lui, le nuit. Mais c'est pourquoi je dis que ton histoire est liée. Ton karma de vie. C'est le mensonge qu'ils sont allés construire derrière toi. Avant d'ajouter celui de Souba que Akam a fait la prière depuis que on l'a pris en otage. Il a fait une prière. La prière là est venue et te couvrir jusqu'à le Ngwa Barilama attrapé. C'est ton audio où on dit il faut laisser. Hein, vous savez, hein, mais ça c'est l'enfant des fans de Pitane. Christian, tu n'as pas peur? Aïe, ni n'impan, ouais. Tu as déjà vu la mère du Phénix? Elle est comme un homme. Cette femme est charismatique. Elle était dans le live, là, elle a écouté. Elle m'a demandé que Christian, comme on n'a pas vu l'homme de Doyem qu'on a tué, là, le Cameroun a tué dans la voiture, le Cameroun. Ah, oui. Donc, il ne parle pas les choses, là, c'est toi qui vas manger. Il va aller retrouver ma mère là-bas dans le Christian! Non, c'est ma bannière, vous allez les appeler, ne nous fatiguez pas. Tu t'assois dans un groupe où on est en train de manger la chair
du pauvre enfant de Fan et le pauvre enfant de Nzebi, de Koulamoutou. Comme ça, le phénix allait mourir. Toi, tu pouvais parler de la mort de quelqu'un. Tu pouvais te lever et puis donner un enfant. Admettons qu'il se suicidait avec la dépression que vous êtes allé lui coller un mensonge à Maeva. Tu ne vas pas vieillir, ma fille. Vous êtes rentré dans un traquenard. Et au jour d'aujourd'hui, je vous ai démontré que Christian a peur de nous. Regardez comment il vous manipule. Il faut le sauver. Il faut le pendant que vous cherchez à le sauver, vous vous ridiculisez, vous vous décrédibilisez. Mais c'est lui qu'on doit sauver. Il veut dire que depuis qu'on parle là, il n'entend pas. Il est là connecté. Le matin, quand je lançais mon live, il était en bas. Il écoutait. Oh. Et moi, ma boule, je ne sais pas que c'était lui qui me faisait la sorcellerie. Parce qu'il m'avait dit que non, on a parlé de vous. Et tout, et tout, et tout. Vu que mon nom était, hier, vous m'avez dit que non. C'est à cause de Princesse et moi qu'on a créé le groupe Pentagone. Ils ont rajouté Dana à l'intérieur. Et c'est Danger qui est venu, qui a mené l'affaire des vidéos de Dana. J'ai dit bof. Mais quand j'ai entendu que Danger, celui qui a dit aux enfants là de conspirer sur moi, j'ai dit, oh. T'as vu, non? Papa là-haut. Les petits, qu'est-ce que je t'avais dit dans le dernier Yoruba Ousmane? Je t'avais dit que les petits là sont trop bêtes. Tout ce que tu... En fait, c'est Idoukou. Doukis qui t'a tué dans cette histoire. Le maillon fort, c'était Maeva. Le maillon faible, c'était Doukis. Doukis, vous savez ce que Doukis a commencé à dire? Oh, Dana, c'est toi. Dedans, je te défendais souvent. J'ai commencé à rire, j'ai dit que... Trop éparpillé, c'est la bière qui, c'est le vin qui boit là, qui fait ça, qui détruit ses neurones. Mais attends, quand tu mélanges la bière, les neurones asséchés, bête comme c'est pas permis, tu penses que tu peux faire quel plan qui réussit avec qualité là? Owen Awinchela, c'est pas ton frère, mien est comme toi, orphelin de mère. On a insulté la maman là, c'est pas Erwan là, Mbourou là, que l'Ukraine, c'est à cause de toi là que vous étiez les frères Romienne. Allez trouver à Dakar en Soumsoum là. Aujourd'hui, Christian, tu t'assois là où on mange à chair de Nguana Winche. C'est incroyable, il n'a pas de limite hein, le papa là. Il cherche l'argent. Il est prêt à tout pour l'argent, le papa là. Il est tout ce qui vide. Tous. Il fait le sale boulot. Non. Ah non. Le plus intelligent, c'est pas Carles. Hein. Carles, c'est le plus humain. Donc, si vous donnez les autres des cadeaux, ouais, on est maintenant frustré, vous donnez tout qu'au Phoenix. En Yambier, même jalousie. Vous allez venir comme Danger. C'est comme ça que vous créez la jalousie. C'est à cause de ça, Danger, vous commencez à faire. Le Phoenix, son ganga au moins fonctionne bien. Christian. C'est sur cette note de musique que tu as décidé de finir ta vie. Pardon, envoyez les cadeaux à Daniel et à Princesse. Oh, je ne non, suis mais pas sûr. Dépassé. Ta Majesté, envoyez les voitures à Daniel et à Princesse et aux autres. Fini là, envoie-moi les cadeaux, c'est quoi? Je suis regarde dépassé. Christian, tu t'es levé, tu m'as appelé. Tu as appelé une amie pour vouloir parler des histoires de Fenella et de la fille qui fait le mariage à Brazzaville. J'ai fermé ma bouche comme depuis 2022. J'ai désactivé le Congo, ça là. J'ai dit, même si je suis fâché avec ma petite soeur, lui là, il doit la fermer. Tu es dans tous les Congos, ça. En France, c'est toi qui es là-bas. J'étais dépassé. Tu voulais maintenant aller... Christian, tu veux que je parle? Tu n'as même pas eu de respect, même pour Grace Geno. Tu n'as de respect pour père. Sonne, comme tu n'avais pas de respect pour Lucrèce. Je ne suis pas responsable de ta situation de divorce. Parce que tu as épousé ma tante sans ma bénédiction. J'ai dit la vérité à ma tante que tu étais un mauvais parti pour elle. Quand j'allais travailler dans le magasin du Sénégalais dont tu faisais les vidéos ici à Las Vegas chez Mara, qu'est-ce que tu faisais dans la maison derrière moi?
Tu peux au moins raconter ça dans le Pentagone. Les gens seront... Les gens ont besoin de savoir beaucoup de choses. Puisqu'il faut voir mon con. Quoi, c'est un Balthazar aussi. Mon con est beau à voir, non? À montrer à tout le monde. Maintenant, je te donne un travail. Tu vas raconter à Maeva, le roi, et tu vas raconter à Doukis, à Golden, à Chao. Parce qu'on dit Shadow, mais c'est à Chao. La mère con de tout le monde qui était dans le Pentagone, vos mères con, tu peux leur raconter ce que tu passais le temps à faire quand moi j'allais travailler chez Mara. Ou bien quand tu demandais à Junior de venir me distraire pour que j'aille briser, j'étais devenue votre petite cuisinière à Vegas, aller faire les lourds gâteaux aux farines. Il y a des gens où je vais faire des... Quand quelqu'un... Je peux faire descendre mes sanis pour le moment. Il n'est pas là. Je faisais les loups gâteaux farine comme ça là. Voilà. Non. Et les loups gâteaux bananes. Non, parce que maman Suzanne dort déjà. Elle ronfle, c'est elle qui ronfle là. Tu peux expliquer ça. Moi, tu peux aussi en parler dans le Pentagone. Christian, tu veux que je parle. Mais Sani dit ce qu'on on le traumatise. Si on le fait descendre, pourquoi je veux qu'il... Hein? Je suis là. Moi, je vous frère, mon grand, laisse, on ne te fait pas descendre. Oui. On te fait souffrir des chiffres graves. Seigneur. Tu fais descendre la violence. Franck, est-ce que tu peux appeler ton frère Christian Comignondo? Je l'ai bloqué. Et Comignondo, on l'a baptisé ce soir. J'ai écouté comment le Phoenix l'a appelé Comignondo. Je l'ai bloqué depuis 2 ans quand il a bastonné ce Sosten Akenenge. Je n'ai plus le temps à parler avec lui. Sosten Akenenge est venu ici. Sosten, c'est ton cousin. Dis le prince de la mangrove. Le petit Christian, est là. Tu veux que je raconte aux Gabonais pourquoi ton cousin Sosten Akenenge et toi, vous êtes en fait, aux États-Unis. Il y a tellement de chapitres. Hein. C'est-à-dire que Christian, c'est une encyclopédie. Oh. C'est-à-dire vous me dites seulement chapitre 1, verset 1, petit a. Dans le caractère qu'il a appris à petit a. Arrête de nous faire tourner la babadana. Allez, balance-nous la sauce. Non, mais vous savez, j'ai envie d'être rationnel. Je n'ai pas envie de descendre à son niveau de caniveau. Parce que moi, je vais parler avec les preuves. Christian, tu sais que je sais que je suis capable aujourd'hui de démontrer à quel niveau tu n'as pas été honnête dans ton mariage avec ma tante Lucrèce Mourendé. Je peux démontrer ça. Moi, Dana, je peux aujourd'hui avaler mon orgueil. Attends d'abord, Franck. La fille de Jacques Mourendé et de Léontine. Dana, s'il te plaît. Je suis l'enfant de sa grande sœur Josiane Mitoulou. Dana, elle va me donner la dans la dette Avengers, tu ne peux pas parler de ça sur les réseaux sociaux. Tu as dit que si on sent que tu t'énerves, on te recadre. Merci. Tu as une autre option. Le tribunal, tu n'as pas le droit. Moi aussi, je ne suis pas d'accord avec vous. C'est là où moi, je ne suis pas d'accord. Tu n'as pas de limites. La mère de ton enfant. Je vous ai multiplié les mpongouais ici. Vous êtes combien, vous, les mpongouais? Les fesses qui ont poussé un petit mpongouais comme toi? Tu t'assois avec un Libanais? Je vais rentrer en contact avec Lucrèce. Et je m'arrête par là. Maman, oui, arrête-toi par là. T'as mal fait. Il faut préciser. Vous savez, moi je parle d'un principe qui est simple. Tu t'avais dit. Si vous laissez Dana dire ces choses, elle va se retrouver dans le tort. Oui, c'est bon. Mais Dana a compris qu'elle doit s'arrêter. Il y a des choses qu'il faut qu'elle peut dire, des choses qu'elle ne peut pas dire. Amana. Parce qu'il suffit que quelqu'un soit connecté là, il enregistre le live et puis ça devient valable. Qu'est-ce qu'on a à foutre? Franck, c'est bon. Elle a bloqué. C'est bon. Bonsoir tout le monde. Là, on finit là. Dana, ça va entendre dans les tribunaux. Donc, il faut qu'on fait encore mieux. Va te faire foutre, enculé. C'est encore coq noir. Je me paye l'alcool là.
Je suis sérieuse. Je suis sérieuse, entends. Ne va pas dire que vous êtes imbécile en fait. Je m'adressais. Je m'adressais à Danger. Danger, tu es un grand que je n'ai jamais manqué de respect. Dana a énuméré quelque chose qui a frôlé mes oreilles. Et je veux te dire ceci, Danger. Dana et moi, je peux même dire qu'on a bu le sang ensemble. Hein? Mais je veux te dire, il y a des trucs, même si on devient ennemi, on ne se parle pas demain. Je suis loyal. Je n'ai jamais pris le nom de Dana, amené à lui, vice-versa. Mais Danger, je veux te dire, et Dana me dira, Dana va me dire, Danger, toi, on va courir sur les réseaux sociaux. C'est pas les trucs que tu fais avec Dana, hein? C'est avec encore les sentiments, parce que vous avez mangé dans la même maison, vous avez vécu dans la même maison. Je ne m'amuse pas, Danger, je suis une malade mentale. Je te dis que je vais te persécuter. Chercher celle-là. Je vais te persécuter, Danger. C'est ma vie que tu veux parler, Danger. Danger, c'est ma vie que tu veux parler. Conso est fini. Danger, c'est ma vie que tu veux parler, moi, la bigance. Danger, moi, je te nourris. Il faut vendre du rêve au petit Maboule que tu gères là, pas moi, sa majesté. Bakota, vous blaguez. Bigance. Danger, je te nourris de A à Z. Faut pas me faire parler. Ne réveille pas le démon qui se met en moi. Mais je te donne un ultimatum. Si Dana, ce que Dana a dit là, Dana, moi, on s'est hier au téléphone, on va s'avoir au téléphone. Elle me dit, Danger, on va courir sur les réseaux sociaux. Hein. Tu sais que je ne t'ai jamais manqué de respect, frangin. Je ne t'ai jamais manqué de respect. Danger, tu peux me mettre au monde. Hein. Tu as des enfants qui ont le même âge que moi. Mais là, comme je ne vais pas te respecter, Danger, je vais te montrer que je suis impoli. Je veux courir avec ton âme, ça je te le dis sur la tête de mon père. Je ne suis pas Dana qui te fait les cadeaux. Je ne suis pas Dana. Dana va me dire, Danger, parce qu'elle a parlé de quelqu'un et la personne n'aurait pas de Brazzaville là. Tu iras en prison, tu me connais. Je vais te faire agresser dans Libreville. Je suis chef de bandit, je te le dis aujourd'hui là. Tu coûtes moins cher. 500 000 je te casse les mollets. Sur moi, hein. Il n'avait qu'à enregistrer. Et Danger, je te menace. Pendant que moi, je vais te prendre, je vais te soutenir que non, frangin, laisse. Quand tu es avec ta femme là, d'abord, pour commencer, la vidéo qui se retrouve sur les réseaux sociaux, c'est toi qui es partagé, ça, c'est pas ta femme. C'est toi qui as mis cette vidéo dehors. Ta femme là, a même partagé cette vidéo. C'est toi qui appelles Danger, faut me faire parler, Danger. La Fénéla, attends d'abord, s'il te plaît. Il a mis sa vidéo lui-même dehors, hein, et il se balade avec. Il a dit qu'il a la cigarette dans la bouche. En même temps, il a Princesse de Souba dans la bouche. Quand Princesse de Souba a partagé ma vidéo, la vidéo de ma vie privée, il met ça sur moi. Alors que tes parents, tes beaux-parents, tout le monde est d'accord pour dire que c'est toi-même qui as mis la vidéo là dehors. Pourquoi tu es méchant comme ça, grand frère? Est-ce que tu me connaissais avant? Je t'avais fait quoi? C'est comment avec mon nom? Elle a menacé, hein. Parce que Nazi s'est mis à insulter. Et tu vas Danger. Je n'ai pas de mousse bordel. Je n'ai pas de mousse bordel comme toi. Excuse-moi, Danger. Contrairement à toi. Appelé Ya Jonas. Tu le connais, il n'a pas d'état d'âme, non? Moulenda m'a appelé pour me demander la permission. J'ai dit à Ya Jonas que non, faut laisser. Parce que ma tante, là aussi, je l'avais donné les conseils, elle n'a pas écouté. Laisse, sinon qu'à arranger. Il dit non, ce qui l'énerve, c'est parce qu'il était au courant que tu es lié au Pentagone et Nazi l'insulte. On va te faire une raid. Comme ça, tu vas nous amener, nous tous à la cour. Et quand on ira à la cour, on ira avec les audios du Pentagone. Parce que vous avez emmerdé et vous avez mis vos doigts dans le cul de Koba. Carles est un disjoncté. C'est un petit disjoncté. Les audios, là, on va aller à la cour avec ça. Vas-y, Fenella. La bigance, je vais appeler Moulinda demain. Bigance, pardon, moi c'est moi qui suis en train de me je suis venu te voir à Marseille. Danger, tu sais, je peux me mettre aussi à ton niveau, avoir la bouche bordel. Oh. La bouche, la vie de Victorine Chico, c'est tout dehors, c'est toi qui parles. L'affaire de Victorine Chico, tu vois que je parle, enregistré, c'est Danger qui m'avait dit que Victorine Chico, dame avec le patron. On avance. Oh. Tu me connais, Danger.
Non, non, tu me connais. Yo. Si tu veux descendre en dessous de la ceinture avec moi, je descends. Tu oublies que je t'habite dans mon téléphone, que tu envoies une petite que je connais. Oh. Et t'es un homme marié. Cassez les papos. Non, je vais te montrer que ça tout de contrôle. Je ne m'amuse pas. Aïe, 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 aïe. Il fouillait le clash avec nous, il vient négocier. Oh non, je suis un homme d'affaires. On va parler de tes affaires. La bigance, son patron, c'est qui, s'il te plaît? Tony qui, t'inquiète, je t'informe que le jour où tu m'auras appelé la DFX Junior pour me protéger, je vous ai enregistré. Je suis maman à faux profil. Tu me connais? J'ai 99 faux profils d'année. Là, on a clashé, non? Combien de profils? Non, la grande diable, vous plaît, profiler. Cassez les papos. D'un dieu, je t'ai dit que tu fais ça avec Danan. Tu sais, tu n'es même pas intelligent. Quand tu viens parler de princesse Souba chez moi, tu sais que je connais Nelly depuis plus de 15 ans. Tu ne savais pas qu'on est les grandes amies depuis plus de 15 ans. Mais je t'avais écouté parler. D'un dieu, si Danan me sort seulement quelque chose, on va courir. Non, elle a vu la victoire de Chico. Et tout ce que tu as raconté. Mais tu as oublié que toi, quand tu commences à parler, tu as vu des mensonges, de mythomanie là. Oh, le chèque, il sera plus une option de mon cul. Tenez la faute d'abord, il est venu te parler de moi, il a dit quoi, pardon. Moi, ça m'intéresse. L'option de mon cul. Pour le moment, je vais rester là. Tu me connais, Odinger. Tu fais ça avec Danan. Fais ça avec le phénix et princesse qui te font les cadeaux. Moi, je suis une ampoule grillée. Je suis une ampoule grillée. Quand tu peux prendre les 50 000 dollars chez Batolo, tu veux qu'on en parle? Danger, tu sais que le game est sale, non? Et ce que les petits ne savent même pas, c'est qu'il est en train de vous damer, il mange le game sur votre dos. Est-ce que vous saviez qu'il y a... Danger, il faut savoir que là où tu te caches, c'est là où moi je dors. Retiens ça. Là où tu te caches, c'est là où moi, la bigan, je dors. Maintenant, je t'informe publiquement devant tout le monde. Je me mets en coalition avec Princesse. Je vais régler ton cas. Parce que depuis hier, je me suis mis à l'écart de ça. Maintenant, je me mets en coalition. On va courir sur les réseaux sociaux. Tu as vu avec Karine Alessane. Ça fait 4 ans que j'ai fait la guerre à cette maman-là. Mais toi et moi, ma bagarre, elle ne va pas terminer. Dana va me dire. Je me mute. Une autre personne peut prendre la parole. 99 faux profils, je suis. Quand je vous ai quand Ali Bongo était président, je voyais le monsieur là sur les réseaux sociaux. Quand nous les activistes, on dénonce Ali et son système, il vient encenser Ali. Oh, faut pas insulter, faut pas faire ça, faut qu'on... Je disais que le monsieur n'est pas simple. On va fouiller ça. Avant 2023, j'entends que le grand danger joue au Gabon, il va filmer les routes dans l'île. Je dis, ah, il est rentré au Gabon. Donc, le monsieur, il fait le travail là depuis Omar. Omar est décédé. Il a pris la relève chez Ali, maintenant chez Oligui. C'est son travail. Hein. C'est le travail de Danger. Depuis Omar était vivant, après son fils, après son neveu, Oligui. C'est l'ancêtre des Essois là. C'est son ancêtre, l'ancêtre des Essois là. Le sale boulot. Qui est Dana, je t'ai dit que ma part arrive bientôt. J'attends seulement que ça les coins sur mon côté là. Il a 60 ans. Il a 75 ans. Je vous l'ai dit la dernière fois, mes parents sont en train de sortir de la bouche. Il a quel âge, grand Franck? Il est né en 71. Donc vous avez presque le même âge. C'est mon petit. Les auditeurs ont fini de poursuivre, mais genre, ils sortent maintenant de la bouche. J'arrive sur ton Dana. Je vais te parler de la bouche. Parce qu'ils cherchent l'argent sur le dos des gens. Vous allez s'occuper de sa femme là-bas. Ils ont des problèmes. C'est maintenant moi sur le Phénix. Il appelle les Edung et Nergumène notoires pour vouloir me faire du mal à cause d'un drapeau. À cause de ma position, mes positions politiques, comme il veut qu'on en sens au Ligue matin, midi soir, il est parti soulever les sacs là-bas. J'ai parlé à France, c'est sur le lave de Princesse ou le lave de Dana. J'ai dit au grand là que tu ne. Vous rappelez, ça fait un mois comme ça. C'était entre sur ton panel, le panel de Princesse. Je l'avais dit au papa là que le papa,
Toi, là, depuis que tu es rentré au Gabon, là, tu en sens son digui. Tu ne lances pas, il dit qu'il n'est pas dedans. Il choisit les cibles, ses sujets. C'était chez Princesse. Voilà. Il ne peut pas venir dire ça. C'était chez Princesse. Jusqu'à il était venu nous faire la morale. Hein, qu'il choisit ses sujets. On ne peut pas parler de ça. Ah, il choisissait les sujets. Hein. Les aigus qu'on a entendus, là, c'est quel choix? Attendez, d'abord, il disait que non, on ne peut pas parler de tous les sujets. Quand vous prenez un sujet, vous voulez vous focaliser sur ça. Vous ne pouvez pas parler de tout en même temps. Que c'est lui qui va nous apprendre comment parler. Et je reste, tu sais que l'argent des Batolo que tu peux prendre, l'argent de Komilo que tu peux prendre là, mon cordon ombilical est enterré là-bas à Mwanda. Tu savais ça? Tu vas boire mon sang. Et il savait que Carles avait les audios. Mais ils sont en train de ridiculiser l'enfant. Il fallait voir comment Maïva a voulu me ridiculiser aujourd'hui devant près de 600 personnes. Non, Dana, tes ombouris sont forts. Là, chez nous, on appelle ça ombouris. Tes ombouris sont forts. Un live où il y avait la photo du Phoenix hier. C'est tout. Il n'y avait même pas... Non. Le live là a bousculé le méta où toutes les vérités sortent comme ça. On n'a pas fait que le live en inbox. On n'a pas dormi aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire qu'on a secoué nos ancêtres. On a dit que vous n'allez pas dormir toute la nuit jusqu'à 7 heures du matin. On était avec eux au téléphone. Hein. Non, mais sérieux, moi, je ne te cache pas que quand j'écoutais les audios là chez les caméras là, c'est là où j'ai carrément. Oh, mais mes coucous sont levés direct. J'ai dit qu'attends, ça c'est quoi? J'ai dit que le monsieur on l'a payé. Il a dit non, je choisis mes sujets. Il est venu faire la leçon. C'est quand même, c'est triste de ce moment. C'est pas bon. Ah, Danger, il est descendu. Un manipulateur comme Oligui Machiavel. Carles. Carles, et j'ai parlé à Pavelic, hein. Je vais vous raconter un peu mon marathon, comment j'ai jonglé. Parce que j'ai décidé de faire le raid. Quand tu es parti là, que j'ai parlé à Golden qui l'a fouille là, mes fans, j'ai appelé Pavelic. J'appelle Pavelic là, j'étais maintenant seul. Pavelic me dit à moi que c'est Carles qui est allé chercher la vidéo de ma sextape. Les gens là sont méchants. J'ai dit que Pavelic, je vais poster ton père et ta mère. Parce que je suis maintenant dans une posture de non-retour avec vous. Il est déjà en avis de recherche sur ma page. Ils se sont entendus dans leur groupe pour mettre ça sur Carles. Parce que quand je suis sorti de l'appel, j'ai appelé mes fans. Golden. J'ai parlé avec Golden. Golden m'a dit que Princesse, la personne qui a envoyé tout ça sur les réseaux sociaux, c'est Carles. Et mes fans m'a dit, il a presque juré ses enfants. Il a dit qu'il a 8 enfants, qu'il juge sur ses enfants. Que lui, il n'a jamais été dans une quelconque conspiration. Quand j'étais sur votre live en petit maillot, quand j'ai écouté la note vocale, j'ai eu le frisson. Que comment quelqu'un a pu me mentir avec le nom de ses enfants? Tu auras un mot. C'est moi qui va t'envoyer le 15 là depuis où tu es là. Si tu n'as pas l'œil gonflé que c'est moi le phénix ou un pied arraché, tu m'enlèveras le nom. Mais vous savez, le Pentagone là. J'étais dans le vocal ici, j'ai ta voix ici. Une chose est certaine. Oligui, lui-même, il est dedans. Ah, c'est ça là qui me fatigue. Une chose est certaine. Non, Dana. Ah. Dana, même s'il n'intervient pas, il ne peut pas ne pas être au courant des choses comme ça. Si Oligui, on va bouffer la tontine si après Tico, pour le moment. On parle d'abord. Non, attends. On va descendre à Danger. Je ne parle pas. Danger, c'est un Oligui, petit problème. Mais la pyramide là. Laisse Oligui dans ses choses. Laisse d'abord Oligui, c'est pas là-bas. Écoutez ce qui se passe là. Mais pose Yaal, s'il te plaît. Pardon, laisse le papa là-bas. Je ne parle même pas Oligui. On n'a pas la preuve de nous, les gens qui l'envoient. Si on va en justice aujourd'hui, je n'ai pas envie que Oligui vienne les sauver parce qu'il va me foutre des avocats au cul. Et que je serais ridicule à démontrer la participation d'Oligui. Non. On va aller crescendo. Malembe, c'est piano, piano. On a commencé avec le petit Maracana, petit championnat interquartier. On reste au niveau de l'interquartier. Même si j'ai le talent pour aller au mondial, laisse Oligui. Ça parviendra. Pour le moment là, nous parlons. Tu n'as pas encore fini à taper sur tout ça en bas, Oligui, que tu allais maintenant t'accrocher. Merci. Ne vous faites pas.
Donc, même un SDF comme d'un, je veux parler de moi. Vous savez ce qui se passe. Moi, je vous dis, Carles est en danger. Carles a envoyé une lettre aujourd'hui à Princesse de Souba. La lettre là m'a donné des frissons. Il y a un secret. Mais cet enfant-là, nous devons prier. Je ne dis pas qu'il est innocent. Parce qu'il reconnaît sa forfaiture. Dieu seul sait c'est quel karma aussi qu'il a attrapé aujourd'hui là, que tu dois seulement parler. L'enfant-là a un problème. L'enfant-là a un problème. Carles a un problème. Et c'est Danger que je tiens pour responsable. Je parlerai à la famille de Carles. Danger aura affaire à la famille de Carles. On ne va pas s'éparpiller. On a un problème là sur les mains. C'est bien beau. Le pauvre enfant est même obligé de changer de numéro. Il a dit qu'il rentre là bientôt. Il a un gros poisson qui est dans le groupe là. Qu'il a peur de donner son nom parce que s'il donne son nom, malgré que son père est un haut gradé de corps armé au Gabon là-bas, il risque de perdre sa vie. Il y a un numéro qu'il barre dans la capture d'écran qu'il nous a envoyé là. Le numéro qu'il barre en jaune là, Carles a peur, extrêmement peur de ce monsieur là. Il dit que c'est un gros poisson de la présidence qui est dans le groupe là. Et elle a barré tes numéros là aussi. Il y a quelqu'un qui est fait. Mais Danger, comment tu peux emmener des enfants à un niveau de combine pareil? Dana, tu as des enfants. Excusez-moi. Carles barre le numéro de l'énergumène qui opérait la présidence, ainsi que Maeva. Donc, c'est nous les moins chers. C'est ça? Qu'est-ce que moi je fais au Gabon pour ouvrir un groupe pour pouvoir me tuer? Qu'est-ce que moi j'ai fait? Qu'est-ce que personne? Qu'est-ce que toi tu as fait? C'est pourquoi je te dis, Danger est dangereux. Je dis, Dana, ces enfants-là sont allés faire des choses qu'ils ne devaient pas faire. Ils sont rentrés dans des choses où ils ne devaient pas rentrer. Ce sont les conséquences. Ils vont sauf qu'assumer. On ne touche pas aux enfants des gens. Ils ne savent pas où on a enterré mon cordon ombilical ou du moins qui sont les esprits qui me gardent. Ils ne savent pas. Ou bien les esprits qui gardent plaisir. Moi, ce n'est pas les petits là. Non, ce n'est pas question de moi, côté là. Carles. C'est ce que je te dis. Carles, ils ont fait un an presque. Ce sont mes photos qu'ils mettaient derrière. C'est ce que je dis, je ne refuse pas le phénix. Il faut être reconnaissant dans la vie. Je serai reconnaissant quand il va mettre le nom de l'énergumène. Parce que regarde, attends d'abord, il ne faut pas gagner. Son nom sur les réseaux sociaux. Moi, je serai qu'il avec moi. Le phénix, sois sage, s'il te plaît. On sort de très loin avec cette histoire. Ils ont méprisé Carles aujourd'hui devant moi. Ils nous ont ridiculisés. J'ai fait 2 heures. Princesse m'appelle et me dit « Descends ». Pourquoi je ne suis pas descendu? Le gars camerounais qui a managé l'affaire là, on dit que les Camerounais sont rusés comme des serpents. Il m'a montré que c'est un Camerounais, il est rusé. C'est à ce gars camerounais-là que Carles a préféré dire la vérité que de moi, sa propre soeur gabonaise. Parce qu'il non, c'est pas pour t'aider l'égoïste. Le grand-père est venu pour t'aider l'égoïste. Quand j'ai duré par le temps, il m'a porté sur la télévision. Non, ne suis pas ça. Le phénix, il y a un truc qui lit tes enfants-là. Maeva, il y a un truc. Et moi, je tiens Danger pour responsable. Soyons des responsables. Je ne peux pas concevoir que, étant des adultes majeurs et vaccinés, il n'ait pas pris la responsabilité de parler à d'autres adultes. Au point où, au jour d'aujourd'hui, les enfants, et en particulier, parce que j'ai un mauvais pressentiment, en fait. On peut se lever un matin, le petit là n'est pas là, on ira répondre pour ça en fait. Il a une famille.
C'est très grave le problème que nous sommes en train de gérer. Ce petit a extrêmement peur. Il a changé de numéro. Il voulait monter ce soir. Il a dit qu'il ne peut pas monter parce que quelqu'un a mis la pression sur lui. Je ne sais pas c'est qui, mais il a dit qu'il ne monte pas. Donc, il y a quelque chose qui l'a fait peur dans ce qui s'est passé. Parce que quand le petit a dit « Je vais envoyer les audios », Maïva a écrit en bas « Ah bon, l'ongata, genre la prison ». Il y a un truc, c'est malsain. Et dans ce que nous faisons, la communication, parce que nous sommes des communicants et les gens qui peuvent nous aider à aider Carles dans la situation où il est aujourd'hui, même sa famille, c'est nous. Parce que ça peut se passer comme l'affaire de Souba, où la personne qui effraie Carles peut aller chercher à effrayer la famille. Mais si nous, les activistes, on met déjà la main sur la famille, ils sont maintenant très parce bien. Que le petit détient. Il faut être très stratégique. Et Carles dit, il me disait, Tata, ce que je vous donne aujourd'hui, ce n'est rien à comparer avec ce qui arrive. Il me dit, il leur a dit ça. Vous me prenez pour qui? Je vous avais averti, non? Maintenant là, je vais tout balancer. Le pays, c'est, quand il a pris mon expression, Facebook va se casser. Et vous savez ça. J'ai vu le visage de Loukis avec la caméra. Maïva tremblait dans sa voix comme ça. Oui, tu sais pourquoi elle acceptait maintenant? Non, les petits sont cuits. Quand on a envoyé les audios, ils ont voulu d'abord changer la version. Et c'est pas eux, non, les Camerounais sont forts. Après, ils disent, oui, non, mais vous savez, c'est nous. Golden a reconnu sa voix. Maëva maintenant a voulu jouer les audios. Je dis, imbécile, tu avais les audios là, pourquoi tu n'as pas joué? Tu attendais que Carles se mouille. Ils ont reconnu le live du Camerounais là. On doit récupérer ça. C'est une pièce à conviction. Ne t'inquiète pas, le Phénix. On est en train d'arriver quelque part. Prends ton mal en patience. Ton mal en patience à qui? Tu comprends? Moi, je sais que c'est pour raconter là. Est-ce que je peux dire quelque chose, s'il vous plaît? Oui, moi, dans vos choses, là. Moi, je crois que le seul moyen pour nous de protéger Carles, c'est une proposition que je fais. Je ne sais pas si elle est bonne. Je crois qu'il faut qu'on affiche le petit là sur les réseaux sociaux et qu'on dit, on donne responsable, c'est quelque chose qui va arriver, on met la responsabilité sur Danger. Effectivement. Voilà. Entièrement d'accord. Je suis d'accord. C'est qui Carles? On met la photo. Quelque chose arrive à l'enfant là, libre. L'enfant arrive. Parce qu'Azingo a dit ça. Azingo a dit qu'il va l'exposer samedi. Voilà. Donc il faut qu'on prenne le défunt avant. Azingo et Xeno. Azingo et Xeno. Moi, je préfère vous dire que déjà, il est dans une position géographique où là-bas, c'est pas sécurisé. Hein. Là-bas, même avec 50 000. On peut être traité dans un pivot. Hein. Il est dans un endroit pas du tout sécurisé. J'ai vécu là-bas pendant 6-7 ans. Mwanga. Si quelqu'un n'avait pas cette idée, ce que tu es en train de dire là, tu es en train de donner des idées aux gens. Non, mais lui-même, il a déjà dit ça, Carles. Mais tu n'es pas obligé de venir répéter. Oui, mais je pense que plutôt que de discuter là, c'est l'idée de Franck est la meilleure. Et il faut le faire le plus tôt possible. Exactement. Et faire en sorte que... Interpeller tout le monde pour dire que si quelque chose arrive à ce petit-là, voilà le responsable qui l'a mené dans ses affaires. Là, c'est Danger. Envoyez-moi sa photo. Je fais Envoyez-moi sa photo. Parce qu'il s'est beaucoup mouillé. Hein. Envoyez-moi sa photo. Je fais ça tout de suite. Surtout faire comprendre aux gens que toutes les informations que Carles a, il y a une personne parmi vous qui les a. S'il lui arrive quelque chose, tout va sortir. À partir du moment où ils sauront que, parce qu'ils vont vouloir faire du mal à Carles, prendre son téléphone, effacer toutes les preuves. Et s'ils savent que déjà les preuves sont en sécurité ailleurs, il est protégé. Donc il faut déjà prévenir. Envoyez-moi ça, il n'y a pas quelqu'un qui peut venir me toucher ici. Envoyez-moi ça. Et avoir les infos. Ouais, il faut envoyer ça à Messani en sécurité chez Messani. Et Messani doit avoir toutes les informations. Et tout le monde doit savoir que si. Tous les jours, on prend les cheveux de Carles. S'il manque un cheveu, tout va sortir. Pourquoi souvent voilà, les gens... Voilà, capture d'écran, là, je vais mettre ça au labo. Je vais déverrouiller le numéro, là. Je vais mettre ça au labo ce soir, là.
Et il faut jouer collectif. Le Phoenix, excuse-moi, quand j'ai dit tout à l'heure que ne faut pas être égoïste, c'est-à-dire que ne va pas dans une action pour se défendre et qui va nuire aux intérêts des autres. Faut aller en collectif. Faut vraiment collectif. Faut pas prendre de décision unilatérale. Et Dana, okay. S'il te plaît, après le live, appelle-moi. J'attends une confirmation. J'attends une confirmation. S'il y a quelqu'un dans le live, il y a quelqu'un qui monte dans nos lives, le petit ne veut pas me dire, il est à Libreville, il ne veut pas me dire c'est qui. Il y a quelqu'un qui monte dans nos lives, qui nous vend à la présidence. J'attends une confirmation. Je vous dirai qui est son nom. Je vous dis ça là. Là. Il y a quelqu'un qui monte dans nos lives. Il ne veut pas me dire, il me dit que le frangin là envoie les allos à la présidence. Mais il ne veut pas me dire c'est qui. J'ai dit que petit. Il me dit non, grand, attends d'abord. Ne cours pas. Je vous donne l'information ici en prime. Il y a des petits à la présidence, des petits qui sont à l'escape. J'ai des petits pleins. Plein de petits. Mais Franck, toi aussi, tu es obligé de dire j'ai des petits à tel endroit, des petits. J'ai dit ça. Après, on les passe au peigne fin. On ne va pas les passer au peigne fin. On ne va pas les passer au peine fin. J'ai dit ça ici, enregistré, allez dire. Tu les exposes, c'est pas bon. Non, ils ne sont pas exposés, t'inquiète pas. Tu sais, Jean Ping avait une stratégie. Hein. Tu dis que Dieu des petits qui me donnent les informations, dit, ils m'ont dit, attends, tu es obligé de dire où ils travaillent. Mais reste tranquille, petit papa, ça va aller, il n'y a pas de problème. Jean Ping avait une stratégie. Vous faites le bruit à gauche, vous tapez à droite. Pour ceux qui ont compris, ont compris. Ouais, j'ai compris. Voilà, très bien, petit papa. Répète, hein. Emballez le paquet, là, envoyez-moi ça ici, je vais garder ça dans le coffre fort, il n'y a pas de problème, il n'y a pas quelqu'un qui peut me toucher ici. Envoyez-moi ça. Il a quelque chose de petit là. Tu as la même sécurité que le Trump, c'est normal. Le Phoenix, tu as envie de rire. Green, non. Je ne suis pas en train de faire ce que je voulais dire. Je ne vais pas faire un post sur Scarless. Scarless va mettre le numéro du don de la personne sur Internet parce que ma vie a été en danger. C'était complice. Il va mettre le nom de l'énergumène chien au toit qui a la présidence sur les réseaux sociaux. Et là, je vais le protéger. C'est pas que si on va aller poster des photos pour lui faire. Non. Il va mettre toutes les personnes qui ont participé à cette compression sur les réseaux sociaux. Il ne doit pas protéger quelqu'un. C'est de s'il protège la personne qu'il n'est pas vrai. Il va le faire. Je ne vais pas poster son nom sur Internet. Ma photo a été mise pendant un an sur les réseaux sociaux. Carles était en train de m'insulter avec les Maïva. Il va sauf te mettre la photo, le nom de la personne. Et je dis que comme tu as mis le don, on va t'accompagner. Phoenix. Écoutez ce que vous allez me dire concernant ça. J'ai déjà mon point de vue. Vous allez faire vos photos vous-même. Moi, je ne sais pas c'est ça. Je ne sais pas dedans. Stratégie, vous parlez, vous pensez avec quelle stratégie? C'est vous qui faites en sorte que dans les enfants, là, les gens font du n'importe quoi. Vous partez rentrer dans les conspirations pour tuer les gens. Et quand vous êtes déjà c'est déjà jusqu'au cou comme ça, là, vous demandez aidez-moi. Le Phoenix, je comprends. Moi, j'ai vécu ici. Le Phoenix, je comprends ta frustration et tu as raison. Il va sauf que mettre la vidéo, le nom de la personne qui a. Sans le numéro qu'il a caché. Mais je dis à le Phoenix, on va en parler. Je vais t'appeler, on va en parler. Il faut protéger Carles. D'accord, je vais t'appeler, on va en parler, le Phoenix. D'accord. Si tu veux bien, quoi. Je vais t'appeler, on va en parler. Si tu veux bien. Vous allez poster vous-même vos photos. Je vais t'appeler, on va en parler. Tu m'appelles le grand nom. Je vais t'appeler, on va en parler. Tu dis quoi? Si mon truc, vous pensez que je vois l'enfant de ses parents. On va se parler. C'est sorti pour rien. C'est sorti parce que c'est le moment. On va s'appeler en inbox. C'est le moment de sortir. Je ne peux pas t'appeler. Tu ne peux pas aller faire du mal à l'enfant de tuer. Vous ne savez pas qui. Mais le Phoenix, la personne qui l'a envoyé, c'est Danger. Vous comprenez? Et d'autres personnes qui sont cachées. Il a dit même qu'il y a un conseiller du ministre de l'agriculture qui sont dedans. On a fait ça. C'est les exécutants. Ils n'ont pas suffi en qui l'ont fait. Quand on n'a pas le nom des envoyeurs, on fait comment? Tu penses que c'est ceux-là qui faisaient les pignons sur Internet qui sont les adversaires? Quand Carles va mettre le nom de l'énergumène qui est à la présidence sur les réseaux sociaux... Quand c'est conseiller du ministre de l'agriculture, tu fais quoi dans les groupes où on est censé insulter la vie des gens?
Oh, il va nous donner conseil. Il ne va plus donner conseil. C'est moi, avec un fémin comme Danger, un rigolo, un mendiant, et les petits enfants qui mettent ses enfants. Toi, tu vas rentrer dans le groupe pour vous déstabiliser, comme vous m'accusez, vous me mettez un problème que je ne connais pas sur le visage. Je vous dois quelque chose. Félix, sur le live de Dukis, ce jour-là, j'étais là. Il y avait Carlel, il y avait moi, il y avait Barbe Blanche. J'ai entendu comment le petit là, leur a dit, vous ne pouvez pas faire ça. On s'est dit qu'il y avait une limite qu'on ne devait pas dépasser, et là, je ne suis pas d'accord. J'étais là ce jour-là aussi. Bon. Et c'était chaud ce jour-là. Carlel a dit, non, vous ne pouvez pas faire ça. Tout seul, il s'est battu. On a tout quand seul, même des il y a quand même entre nous, Gabonais. Et comment vous pouvez accepter qu'un Libanais vienne exposer nos sœurs comme ça? Il dit, vous-même, vous savez comment j'ai tapé sur Dana, j'ai tapé sur le Félix, j'ai tapé sur tout le monde, là. Mais là, ça, je ne suis pas d'accord. Et si vous obstinez, je vais tout faire sortir. Il l'a dit en live. Si ce live a été enregistré, vous pouvez entendre ce que Carles avait dit ce jour-là. Moi, je confesse, j'étais à la fenêtre, j'écoutais tout. Vous racontez quoi? La blanche est arrivée. Carles a dit la dernière fois qu'il était contre parce que quoi? On a parlé des femmes, là. Quand le monsieur a commencé à m'insulter sur le remettre ma famille sur Internet, ils ne sont pas sortis pour ça. Pourquoi ils ne sont pas sortis? Ils se sont mis avec le monsieur, là, non? Et pourtant, j'ai raison sur toute la ligne. Tu parles de quel monsieur? Le bouffeur de shawarma? Le bouffeur de shawarma. Non, il est sorti le même jour qu'il est rentré. Il n'est pas sorti, il est sorti, non. J'ai commencé à être insulté avant que Princesse m'a fait le sens de ce soir. C'est ce que je dis. Peut-être qu'il n'avait pas encore intégré la plateforme. Je n'aime pas le faux. Vous n'allez pas finir. Moi me persuader pour que je sois de ce côté-là. C'est un petit. Il me suivait, il était dans mes lives ici. Quand il va mettre la photo, le nom de la personne qu'il cache, je dirais que c'est bon. Mais pour le moment, là, pour moi, je ne suis pas. Je ne suis donc, pas. Les audios qu'il a fait sortir là, c'est pas. Pour moi, pour le moment, c'est pas ça. Il y a quelqu'un qui est derrière qui doit mettre là-dedans. Le Phoenix. Mais bien. Le feu de Shawarma, là, il est rentré dans le groupe Pentagone, là. Je crois la veille ou le même jour où Carles est sorti. Par contre, il est dans Génération Wise depuis que le fou de... Comment tu l'appelles, le papa qui est fou, qui filme le chambre là? Le gars avec qui on a parlé là, Oyabi. Depuis qu'Oyabi est sorti la première fois sur toi, il est dans Génération Wise. Mais dans le groupe de Pentagone là, il est rentré là-bas le jour où Carles est sorti ou la veille. Ils ont beaucoup les groupes, hein. Moi, c'était quelqu'un que je connais, mais pas mon parent, pas mon petit cousin. En fait, c'est quand il fait maintenant le live où il montre son visage. Ah, c'est qui? Je crois que c'est le Phoenix qui me partage le live pour dire voilà, assis-toi. Je clique sur le live pour aller regarder. Qui met les trucs, les gars? C'est pas un problème. C'est le champ de clic qui déconne, le côté. Il parle à l'arrière ou quoi? C'est la photo, le truc de Mwanga. Tu me mets même si c'est pas quand. Toi, tu dors et tu montes encore sur le live, le côté. Attends, Hugues, allons insulter Grains ou Grains là. Il est 21h, elle s'est trop reposée. Elle s'est trop reposée là. Voilà, boyer sur elle. Nous n'avons pas fait le raid. Notre Green d'amour. Vous voulez rire? Donc, on était chez les caméras là-bas. Et votre bouffeur de shawarma a voulu monter là-bas. Tu sais que Judas était dans les commentaires. Nazi, monte, Nazi. Dès que je l'ai vu connecté, j'ai dit au gars du live, j'ai dit, tu le descends. Je ne parle pas de la politique gabonaise avec des gens qui ne sont ni de père, ni de mère, encore moins de teint gabonais. La façon qu'on a lancé l'âme des nazis au même moment. Voilà, maintenant, j'ai dit, fais monter Green. Elle monte. Oui, Dana, tu seras au Canada. J'arrive au Canada. Je vais au Canada. J'arrive au Canada. Le matin, la pleurer sur le live. Elle dit que non,
Je n'ai pas dormi toute la nuit. Vous voyez, mais vous voyez cassé, non? Je n'ai pas dormi. Dada et Souba, c'est des sorcières. Elle a dit qu'elle va attendre d'avoir les. Elle a dit qu'elle attend d'avoir les périodes de congé pour aller te voir là-bas, Dana. C'est des folles. Ouais, elles m'ont appelé toute la nuit. Attends d'abord. Elles m'ont appelé toute la nuit. C'est des folles. Attends, tu n'as pas l'audio là? Quel audio? Si. Moi, je n'arrive pas les bêtises. Si, j'ai la séquence là, le phénix, mais nous, ça, non, oh, toi aussi. Mais pas de séquence. Va... Oh, le phénix, toi aussi. Laisse pas les gars, c'est les gars. Tchao, quoi. Elle est jaloux. Je t'ai dit que le phénix, ouais. on a lavé les gars là. Non. Et Lucas, Lucas dit que, princesse, arrête de m'harceler, je suis à la douche là. C'est pas elle qui l'a. Il y avait Phoenix. De la Belgique, oh, là, Phoenix n'est pas content, vous n'êtes pas bien. Le gars de la Belgique décroche. Où est-il le Phoenix? On va régler le problème. Oui, allô? Dieu va régler le problème là. C'est le gros con de ta maman qui t'appelle. Non, on est folle. Mais Green, ça veut même de nous bloquer. Elle, on l'appelle, elle, le téléphone sonne, elle coupe, elle coupe. Oui, Desoba, toi aussi tu rentres dedans, hein, avec elle. Oh. Oui, et puis là, c'est une villageoise. Il me fait trop pitié. Il était chez les Camerounais. Il dit qu'il m'a fait rigoler, c'est Gali. C'est Gali. Tu es folle. Tu es folle. Avant, on avait dit que tu ne parles plus. Parle, je t'écoute. Non, on doit arriver. J'ai voulu lui parler. Elle m'a bloqué. Elle m'a bloqué sur TikTok. Elle m'a bloqué sur WhatsApp. Bon. Ah bon? Bon, ben oui. Ah, tu voulais la prévenir. Hein? Pardon? Tu voulais la prévenir. Non, je voulais lui dire qu'elle se calme. Mais il y a longtemps, hein, avant que les histoires ne sortent, elle s'était déjà embrouillée avec Franck. Mais il faut apaiser le cœur du phénix. Parce qu'il n'est pas d'accord avec. Il est fâché. Mais les décisions ne se prennent pas à 3h30 du matin en live. Oui, parce que je suis dans le live, je ne vais pas t'expliquer. En même temps, je suis dans le live, je pense que ce n'est pas dans le live, je vais t'expliquer. Tu vois pas qu'il y a les gens sur le live, je vais faire monter, je vais enlever les autres pour que tu montes. Tu vas venir dire quoi, tu es dans l'appel. Hein. Oh, mais s'il veut monter, je peux d'abord descendre, peut-être qu'il a la doc. Non, il n'y a pas de doc, il reste en bas, non. Les filles là, je vais enlever quelqu'un, tu vas monter. Tu vas apaiser le Phoenix, me donne le numéro. Envoyez-lui les cadeaux, c'est son côté sensible. J'ai pas besoin, moi je mon côté sensible, c'est pas les cadeaux. Libère-nous la nuit. Non, envoyez le lion. Il n'aime pas les fleurs, pas besoin, c'est pas ça mon truc, hein. Le phénix, je t'envoie une obligation de m'envoyer les cadeaux parce que je fais un travail énorme sur internet. C'est une obligation. C'est parce que je m'envoie les cadeaux que je vais maintenant baisser ma culotte. Je suis en train de vous faire comprendre les sentiments. Je ne vais pas publier la photo de Carles sur le site. C'est un problème. Je ne veux pas le faire. Carles va mettre le nom de la personne qui a fait en sorte qu'on aille conspirer sur ma personne. Parce que moi, je pouvais perdre ma vie ici. Ils ont fomenté une affaire sur moi pendant un an. Ainsi que toutes ces bandes-là, ils ont pris ma photo mais derrière. Ce n'est pas vos photos qu'on a mis derrière. Carles était avec eux. Quand ils ont fait leur lab avec Pavlik, Carles était là-bas. Ils ont fait monter la fille là pour venir m'injurer. Carles va mettre le nom de la personne et je saurais qu'il est bon. Tant qu'il protège le nom de la personne, là, je ne pourrai jamais le soutenir. Le phénix. Il y a des histoires dans le monde. Qu'est-ce qu'on est obligé à faire? Il n'a pas tort. Moi, je n'ai pas tort. Laissez-le. Personne n'a forcé le phénix. Thalès, tu me suis. On respecte son nom. Mais Sani, il y a ce qu'on appelle dans le monde, il y a ce qu'on appelle les répentis.
Il y a, dans le oui, monde, il y a ce qu'on appelle moi, la pitié, c'est pour les vrais enfants des gens. Moi, je regarde la pitié pour les vrais gens. Je suis du côté de Phoenix en seul. Je suis pour là. Je suis impitoyable. Je n'aime pas les cons, je n'aime pas les lèches-culs. Je suis impitoyable. Le Pen, tu sais comment on fonctionne depuis qu'on est ensemble? On respecte les limites de chacun. Tu comprends, non? Si le Phoenix dit qu'il ne fera pas quelque chose, il n'y a personne qui va l'en vouloir. Et il n'y a personne qui va l'obliger à faire ce qu'il veut. Il est libre de faire ce qu'il veut. S'il dit qu'il ne rentre pas dans le truc qu'on a prévu de faire pour Carles, c'est son droit le plus absolu. Nous allons respecter ça. Et nous aussi, ouais, si on dit qu'on fait le truc pour Carles, on va le faire. Donc, il n'y a même pas de débat là-dedans. Mmh. Les gens veulent de la repentance, ils n'avaient qu'à aller chercher Jésus. Mais Sani, on a compris. Je ne suis pas dedans. Tu es là maintenant, en tout de spicy, le truc là. Qui veut monter? C'était Rico. Il ne parle pas. Mais Rico veut monter, venir dire quoi? Il est maintenant influenceur ou blogueur? Je lui dis ça. C'est dans les Pentagones. Non, c'est un frère des States. Ah, Rico veut venir monter, dire quoi? Peut-être il a aperçu Tata Green. Il dit que c'est pas Ali ou Sylvain Bongo qui fait le désordre. C'est maintenant le Cetri. C'est comme moi, je comprends la position du Phoenix. C'est-à-dire que je tremblais tout de suite là. C'est Dieu seulement qui a dit à Franck que je tremble. Si je pense seulement au truc de danger là, je commence à trembler en fait. Dana, je t'ai dit pour la troisième fois, appelle-moi. Ce qui s'est passé ce soir-là, j'ai parlé de toi avec une frangine cet après-midi. Ce qui s'est passé ce soir-là, elle me l'a dit. Elle a dit que Dana, quand j'entends Dana parler, elle va parler d'un sujet. À un moment donné, on dirait qu'elle rentre en transe, elle sort des choses comme si c'est comme si elle avait une vision. C'est comme si elle a mangé le bois. Et c'est comme si elle était initiée. Elle sort des choses. Je suis sûr même que si on lui demande, elle-même ne sait pas comment certaines informations lui viennent dans la tête et ça sort comme ça. La transe du Mbumbayano. De toute façon, moi, je comprends le Phoenix. La preuve en est, tout à l'heure, quand Dana a seulement dit que Deljo a fait ça, mon nom est sorti. Je suis monté directement. Moi, je comprends le Phoenix. En plus, ça vient de quelqu'un en qui j'avais une grande considération de respect. La bigance. Moi, je pars du principe où si le petit n'avait pas donné les audios et ses amis l'ont défié jusqu'au bout, pendant 2 heures, la petite là était en train de me ridiculiser devant 500 personnes. Nul n'a été la patience de l'autre du débat. Les Camerounais, même c'est une autre communauté. J'étais sur ce live. J'ai suivi le live. Donc, quand le petit m'envoie les trucs là, le reste même des lives, je n'ai même pas encore écouté. C'est parce qu'ils l'ont testé. Et c'est parce que Golden a continué le travail qu'il était en train de faire. Mais dans ce cas, c'est que Gaspier devant et Gaspier derrière, qui sortent une bonne fois le nom. Mais il y a les gens qui sortent les trucs. Est-ce que moi, là où je suis là, ok, si je dis aujourd'hui, ok, je prends la responsabilité de tout gâter concernant Danger. Je vais gâter et puis je vais aller même payer à Danger les comment on appelle ça? Les dommages. Mais je regarde encore, je vois que, avec la façon dont ils m'ont humilié et ma vidéo là, je vois que je peux aujourd'hui attraper. Marceau m'a échappé, mais pourquoi Danger va m'échapper? Parce que si Danger était intelligent, il devait se dire, je ne touche pas à ça, oh, parce que la loi est... Moi-même, Danger, là, je vais acheter ce problème gratuitement. On va courir sur les réseaux sociaux. Tu comprends? Carles m'a dit, aujourd'hui, mais il ne m'a pas encore prouvé. Carles m'a déjà admis que Tata Huguette, la personne qui nous remet cette vidéo, c'est Danger. Mais au tribunal, là, je dois prouver ce que je suis en train de dire. Et il ne fait que dire ça depuis. Vous voyez, non? Donc, le petit fait un travail remarquable. Le truc de Golden me fane, il a eu mal à la tête. C'est-à-dire, j'ai vu comment quelqu'un
c'est comme si on verse l'eau sur toi. Quand j'ai seulement mis l'audio, où on dit oui, mais Danger a appelé les autorités là, comme on nous a donné l'ordre, bon, essayer de lever le pied à cause du drapeau, les Camerounais sur le phénix, les Camerounais, tout le monde était choqué. Tu sais ce que maintenant les gens ont commencé à écrire? Où sont les preuves de l'argent? Nous voulons les preuves de l'argent. En attendant, nous étions au niveau où ils nous ont défié qu'il fallait qu'on prouve l'implication de Danger dans le groupe. On nous a montré hier, bim! Première gifle, Mbataya Mokolo. Deuxième gifle aujourd'hui, l'audio, c'est Golden qui est même en train d'incriminer Danger dans le groupe. Le Golden qui a dit, Carles, tu es mauvais. C'est toi qui es responsable de ça. Tu es en train de mélanger les gens. Ne va pas lui. Faut pas l'écouter. Et tout. C'est lui-même, c'est sa voix. Les Camerounais lui ont posé la question. Golden, oui. La voix qu'on entend là, c'est la voix de qui? Moi, j'ai dit non. Je ne vais pas identifier qui que ce soit. Carles, c'est oui. Voilà le live. Explique-nous parce que c'était dans votre groupe, le Pentagone. Maïda a pété un câble. Elle est descendue du live pour remonter avec un autre profil. Ils se sont mis au travail aujourd'hui. Ils ont beaucoup travaillé. Parce qu'il fallait montrer les portables et tout. J'étais choqué de me rendre compte que dans Maïva avait les audios là. C'est là où il a dit, mais l'audio là, tata, ça c'est Golden. L'audio où on entend Maïva conspirer. Il dit ça c'est Maïva. C'est lui-même qui les a identifiés. Quand on pose la question, Maïva, hein? L'audio là qu'on entend, c'est qui? Non, je ne vais pas nier. Vous savez, à un moment, elle a voulu ridiculiser même le petit en disant, hein, qui montre les captures d'écran? Mais après, même elle reconnaît la voix. Que la voix là, c'est pour elle. Sans savoir, en fait, non. Elle est restée chez les Camerounais parce qu'elle n'avait pas écouté tout le reste des audios. Il y a des audios que eux, ils n'ont pas écoutés, que moi-même, je n'ai pas écoutés. J'ai écouté avec le Phoenix. Les audios de, qui incriminent directement le plan qu'ils ont dit pour le drapeau et tout. Moi, je n'avais pas écouté l'audio de Maïva. Là, j'avais ça, mais je n'avais pas encore écouté. Donc, eux-mêmes, ils ont minimisé, en fait. Et le petit m'a dit, tata, j'en reste là pour aujourd'hui, mais je te promets, ce qui arrive est plus fracassant. Et je sais que le petit a des trucs croustillants. Parce que Maïva a montré quelque chose que Carles nous a montré. Elle a caché un nom. Je dis, hein, ça c'est qui qu'on cache comme ça? Donc je demande tout simplement à mon petit frère Terence de prendre son mal en patience. Je ne l'ai pas abandonné. Mais faut que Carles comprenne que tant qu'il a des informations que vous n'avez pas, il est en danger. Hein. Effectivement. Ils ont tant fait du mal. Il a les informations. Le groupe a été créé à la base, c'est pour c'est pour le Phoenix et Princesse de Souba. Regarde même Princesse, et la Princesse prend sa sportive. Les deux cibles de ce groupe-là, c'est Princesse et le Phoenix. Princesse est là, elle a à ce moment absorbé ça. Mais moi, je vous avais dit que dans ce truc-là, tu as c'est une coalition des petits qui veulent monter en puissance, prendre votre place sur les réseaux sociaux. Tu as le petit nazi, les Danger, qui ont fait le travail de barbouze pour aller après monnayer ça au niveau du CTRI. Et le CTRI, il bénéficiait avec votre éclatement. Donc, c'était un peu chacun, chacun se servait des uns et des autres, entre copains, coquins. Et ça permettait aussi aux pseudo, aux néo-activistes là, de se venger individuellement de chacun d'entre vous. Parce que chacun a des griefs avec chacun d'entre vous. Le Phoenix énerve certains, Dana énerve certains, Princesse énerve certains d'autres. Voilà, ça leur permettait de pouvoir se venger. Et moi, j'ai vu quand Nazi était là et parlait, ils étaient tous rangés derrière Nazi. Parce que honnêtement, et je vous avais dit honnêtement, one to one, qui peut se mettre devant chacun d'entre vous
et débattre sur n'importe quel sujet, argument contre argument. Qui? On le voit aujourd'hui avec Billy Binzé. Qui peut s'asseoir devant Billy Binzé? Laissons Terence se reposer. Il dort, le pauvre. Terence, on va te laisser. Il dort. Toi, il va dormir. Je pensais que tu dors. Ça l'a appelé votre Green là-bas. Moi, je reste ici. Non, le gars est en train de conspirer. Toi, tu dis qu'il dort. Toi, tu es en train de t'aboutir. Tu es en train de quoi? Le live qu'on a fait tout à l'heure, ma mère était dessus. Je veux montrer à ces gens-là spirituellement au Gabon et physiquement. Si c'est moi qui voulais faire. Surtout Golden. Tu étais au téléphone avec Golden le matin. Il ose dire que non. Il ne parle pas avec moi. Un énergumène notoire qui a arrêté sa vie au Gabon, qui n'a rien à faire. Son travail, c'est de creuser le sol. Celui-là, il va retourner en prison. Soit c'est la prison chez Lucifer, soit c'est la prison centrale. Parce que c'est lui qui a fait 12 heures de live. Carles nous sorte la preuve. Je vais demander aux Camerounais là son live. Je ne sais pas comment va fonctionner, ou soit par email. Mais c'est un live qui va finir à la cour. Parce qu'il y a des contre-vérités. Ça dit Maïva est une menteuse pathologique. C'est incroyable. Elle dit qu'elle est pas mal. Elle dit qu'il n'a jamais un shadow. Hey, elle est guerrière informée, cette femme-là. Demain matin, je te ferai un live. S'il te plaît, il faut m'appeler. Tu fais le live à quelle heure? Je ne sais pas, je vais lancer un live, je vais l'appeler. À Chao, une affaire. Félix, comme on dit demain matin que « Ah, mais Sani, toi, tu ne dors jamais. » Je serai là, Félix, tu sais que je marche avec vous. Je serai là. Je vais taper. Donc, c'est pour ça que j'ai vu Pavlik. Il a fait un live de 8 heures de temps aujourd'hui. Que patapatapata, du matin jusqu'au soir. Tu ne comprends pas. Il a essayé de rattraper la situation. Il était dans la voiture, il a transpiré comme un esclave. À Suzanne Barra. Maman Suzanne,